Ok, il semblerait que la coupure soit terminée. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce Focus, ici Jack, en votre compagnie jusqu'à 22h. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon samedi, que vous êtes bien éclatés sur la MTV2 et sur les IEM, parce que c'était très important. Vous voyez que j'ai mis un petit overlay en conséquence, là-bas, c'est l'autre côté de Jack, c'est là-bas, le petit Cassadin. Donc ce soir, le Focus traitera du Jace de Dwagby, donc j'espère que ça vous fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de Dwagby, bonsoir Dwagby. Bonsoir Jack, bonsoir tout le monde, bonsoir la Minium TV2 et très très heureux d'être ton invité pour ce focus. Alors, le focus consiste en quoi? Parce que bon, c'est vrai que c'est que la deuxième émission, forcément il y a quelques personnes qui sont perdues, donc le focus c'est quoi? On va tout simplement ce soir se concentrer, ce que veut dire focus, sur un perso emblématique d'un joueur emblématique. Le perso emblématique choisi par Dwagby, c'est Jace, donc ce soir ce sera sur Jace, et l'émission va se passer en plusieurs parties. La première partie sera une analyse de replay avec Dwagby et moi-même aux commentaires, entre guillemets, ça n'a pas vraiment du shootcast. Donc on va suivre en fait tout ce qui va se passer autour de Jace dans la game, un replay qui m'a été fourni par Dwagby. Une fois qu'on aura terminé cette petite analyse de replay, on se retrouvera pour une petite comment dire, une petite tambouille de tout ce qui est tips, les runes, les masteries, les choses à faire, à ne pas faire sur Jace pendant quelques minutes. Et ensuite, on enchaînera donc sur ce qui vous intéresse probablement. Une chance, vous aurez une chance de jouer ce soir dans la game de Dwagby et de moi-même, où il jouera d'ailleurs le perso pour lequel on est focus ce soir. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Et puis à la fin, si on a encore un petit peu de temps, on partira sur un petit question-réponse. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et puis voilà, mais on va commencer par une légère interview de Dwagby, même si pas mal d'entre vous le connaissent bien quand même. On va quand même se renseigner un petit peu. Donc Dwagby, première question assez basique, hein, assez générale. League of Legends, ça fait longtemps que tu joues, ça fait combien de temps? Alors actuellement, ça va faire depuis la sortie des Ranked saison 1, ça devait être septembre 2011, si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça, donc ouais, ça va faire quand même 2 ans, 2 ans et demi que je joue à League of Legends, mais plus sérieusement, vraiment avec l'ambition de devenir pro, ça fait on va dire 8 mois. D'accord, donc là ça commence à ouais, ça commence tu commences à avoir une bonne expérience en tout cas au haut niveau. Autre question, c'était ton premier est-ce que c'était ton premier MOBA League of Legends ou est-ce que tu as joué à Dota avant? Ça a été le premier. Ça a été le premier en ma connaissance. J'ai rencontré le jeu chez un ami à moi et je m'y suis pris directement. Donc c'est vraiment ouais le D'accord. premier jeu. Ouais. Après j'ai toujours cette petite tendance à dès que je joue à un jeu d'essayer de m'y mettre à fond quand ça me plaît. Donc j'ai joué à Guild Wars 2, Dark Age of Camelot pour ceux qui s'en rappellent. Et c'est ouais c'est vrai que c'est mon premier MOBA et franchement j'ai vraiment vraiment bien aimé le système rapidement. Ok, du coup tu viens de nous dire que là tu avais l'ambition de devenir pro, qu'est-ce qui t'aide là-dedans et pour quelle équipe joues-tu actuellement? Alors actuellement, on a monté une line-up très récemment avec Squeeze, que vous connaissez de la Millennium TV. On a été recruté par la structure GSU et on a rechangé notre line-up récemment. Donc on a eu l'arrivée d'Arkhagod en AP mid et D'accord. l'arrivée de Jude en tant que support, donc des personnes que vous connaissez bien sur la scène. Donc ça montre vraiment notre ambition à vouloir taper un bon coup, au moins sur la scène française, voire européenne dans un moyen terme. Mais là, l'objectif principal, ça va être de se focaliser sur la compétition Millennium, la Francophone Cup, qui arrive très très vite. Donc, d'où les changements de cette line-up. Et donc, ouais, voilà, c'est vraiment ça pour l'instant l'objectif principal. Très bien, on sait, en tout cas je sais qu'il va y avoir des gros noms quand même lors de ce championnat francophone d'ailleurs, il n'y a même pas une cup, hein, c'est un championnat quoi, c'est la Ligue 1 du League of Legends quoi, rendez-vous compte. Et il va y avoir des gros noms, est-ce que vous pensez quand même pouvoir faire un bon résultat dans ce championnat francophone? En fait, notre seule difficulté, c'est vraiment le fait qu'on soit récent. Enfin, ça fait pas très longtemps qu'on joue ensemble, mais au niveau du niveau personnel, on a tous un bon niveau et de quoi, on a de quoi jouer sur la scène européenne, au moins. Et c'est vrai que là, la difficulté, là, pour nous, c'est de créer le team play. On fait encore quelques erreurs, je vais pas vous le cacher. Ça fait à peu près une semaine qu'on joue ensemble. Mais je pense qu'on sera prêt et je pense qu'on aura vraiment une carte à jouer à ce championnat.
Parfait, on l'espère en tout cas. Moi, je serai derrière vous pour vous soutenir. C'est vrai que bon, vous êtes des gens que je connais un peu quand même, et ça me ferait plaisir que vous réussissiez à faire un résultat là-dessus. Question un petit peu plus précise qui nous concerne un peu mieux ce soir. Pourquoi avoir choisi Jace comme personnage emblématique? Alors, il faut savoir que moi, je suis joueur solo top et actuellement, j'ai vraiment énormément joué Jace durant les 2-3 mois, 2-3 mois qui sont passés. Faut savoir que mon main, ça reste quand même Irelia, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'étais en grande, grande forme avec Jace et je fais vraiment de grosses performances, que ce soit en team ou en solo queue. Donc, j'ai vraiment préféré parler de ce héros-là que je connais, enfin, que je maîtrise vraiment, je pense, le mieux actuellement, à l'heure actuelle. Par rapport à Irelia que j'ai un petit peu laissé tomber mais que je ressors quand même parce que c'est un héros bah, plus basé sur la sécurité. Alors que Jace c'est vraiment un héros déjà qui me correspond grâce à sa mobilité, le fait qu'on ait toujours une possibilité de faire quelque chose et c'est vraiment pour ça, il est vraiment complet. Pour moi ce héros est complet, c'est pour ça que je préférais présenter bah, ce héros-là. Parfait, bah écoute, je te propose d'arrêter le blabla, arrêter la parlotte, arrêter tout et de passer directement à l'action. On est parti donc pour le commentaire du replay que je vais lancer maintenant. J'espère que tu as le retour vidéo de ton côté. Normalement, ça devrait être bon. Pas de problème, normalement. Et puis voilà, donc le replay va se lancer. Un magnifique écran blanc qui est en train de m'éblouir. Je pense que vous le voyez sur mon visage. Voilà, impeccable. Ah, j'ai le PC qui en chie. C'est bon, on est là, on est parti. Hop là, on est présent. Donc, ce replay. Alors, on voit beaucoup de platinum. Oh, un silver. Eh bien, c'est toi, Dogby, le représentant de la population silver. C'est ton smurf, hein, et évidemment, tu n'as pas. C'était une game autour des deux, c'était 2K LO, je crois, 2013. J'étais 2013, 4ème pick, donc on pouvait monter à 2K1, 2K2. Donc il y avait quand même du bon niveau. Parfait, parfait, parfait. Alors je vais lock la caméra sur toi. Voilà, ça m'a l'air d'être bon. C'est bizarre, on dirait qu'elle s'est lock sur Cartus, mais elle se lock sur toi. Donc voilà, une game donc qui tu dis c'est de la ranked, ça se situe aux alentours de 2K Elo. Et donc toi tu joues Jace, solo top, et tu joues apparemment contre Olaf, si je ne m'abuse. C'est ça, Olaf qui est un héros quand même très très performant en ce moment, on le voit sur toutes les compétitions et aussi beaucoup beaucoup en solo queue, donc c'est un match-up à ne pas prendre à la légère. Mais normalement, je suis censé prendre l'avantage sur la phase de laning. Ok, la première chose qu'on note, c'est que je vais te poser la question quand même, mais la flasque que tu as pris là, tu l'as prise après le patch ou avant le patch? C'est une Alors game ça, c'est qui date. après le patch, c'est vraiment une game qui date d'hier, Ok. donc ouais, c'est vraiment après le patch. Donc tu continues à faire tout de même des starts à la flasque, même Ça aide si beaucoup. le prix a été augmenté. Le premier défaut de Jace, c'est qu'il n'a pas de sustain, et ça, on le ressent vraiment beaucoup. Et vraiment, cette flasque lui permet d'avoir au moins un minimum au niveau du sustain. Donc, pour moi, c'est très très important de démarrer avec la flasque, surtout quand on part sur l'optique de faire la différence sur la lane. D'avoir le sustain, ça permet de faire la diff. Ok. Donc là, on voit le placement que tu fais là. C'est pour espérer choper Olaf quand il va arriver ou c'est juste pour avoir l'info, savoir s'il invade? Alors c'est pour avoir l'info, c'est vraiment pour avoir l'info, on a quand même Amumu qui est un héros qui peut facilement se faire invade. Après de leur côté ils ont plutôt Maokai aussi, mais c'était vraiment pour bloquer, pour avoir l'info si par exemple il y avait une ward qui venait se poser ou si j'avais la capacité d'aller faire ses races, etc. Donc j'ai pris l'info et là j'ai back pour aller chercher une potion supplémentaire. Parce que c'est vrai qu'avec la flasque ça coûte quand même très très cher. Et aussi un autre détail pourquoi je commence avec la flasque, parce que ça nous permet de prendre une ward. Il faut savoir qu'Amumu ça startait au bleu, il aurait pu starter au red, mais là dans cette optique-là il startait au bleu, mais Okai aussi. Donc il y avait une grosse possibilité comme quoi je me prenne le premier gank top, donc cette petite ward en early fait quand même plaisir. C'est aussi une des raisons pourquoi je start comme ça. Ok, donc là on voit que ça avait wardé. Il y a un truc qu'on retrouve assez souvent. Alors en tout cas, on voit le Olaf qui essaie quand même de beaucoup beaucoup vous trade au départ. Amumu va d'ailleurs être obligé de smite celui-là. Le Olaf il a quand même bien joué sur le coup là. Il C'est va ça. quand même essayer de tuer Amumu Il et il va pas y arriver. va pas y arriver, et au contraire, hein, c'est pour ça que je reste vraiment en cover. J'essaie de le protéger maximum, mais là je fais comme si j'étais parti, mais en fait je suis resté. Et voilà, il tente l'agression juste après le bleu. Là il a tout claqué, c'est un héros qui a pas de flash Olaf, donc j'avais vraiment cette possibilité de le tuer. Et là il a un peu trop grid, et voilà, je suis vraiment resté
en tant que garde du corps et ça me permet de prendre le first blood sur Olaf. C'est bien essayé ce qu'il a fait, c'est vraiment bien tenté avec la petite ward. Et on sait qu'Amumu c'est assez compliqué de faire le buff bleu en début de game, il prend assez cher, donc si j'étais pas là ça aurait marché, hein, sa technique aurait marché. Donc voilà pourquoi il faut vraiment protéger son jungler durant les premiers buffs. D'ailleurs, c'est une chose qu'on retrouve assez à mid bas elo, c'est les smiteless. Donc, on voit beaucoup de smiteless à haut elo aussi, je suppose. Donc, les smiteless qui veut dire en fait un buff qui est fait sans utiliser le smite, donc normalement avec beaucoup d'aide. Et justement, là, le Amumu n'a pas choisi au départ d'avoir le smiteless, puisque. Qu'est-ce que tu penses justement des gens qui demandent un smiteless alors que le bleu est du côté de la top lane, ou le rouge est du côté de la top lane? Ça, c'était une raison supplémentaire pour qu'Amumu start au red. Moi, personnellement, j'ai pas trop compris pourquoi il a voulu forcément start au blue. Il n'y a pas de réelle zone d'invade contre par exemple un Shaco, un Lee Sin. Je comprendrais qu'ils veulent start au bleu pour au moins le secure, mais là contre Maokai il avait aucune raison, il aurait pu start trade, faire son bleu tranquillement derrière et venir au top. Là on va voir que je vais me faire surprendre parce que le timing Maokai est parfait, hein, 3 minutes 30, on sait que c'est les timings gank top quand le jungler adverse a start au bleu. Et voilà la vraie difficulté, c'est que moi Amumu vu qu'il a start au bleu, il est parti au raid, donc on a vraiment ce décalage. Et là d'où mon erreur, je vais ward un petit peu trop tard. On va voir, je vais avoir un coup de réaction de dire ah, fallait que je ward. Et regardez, je passe juste derrière. Mm-hmm. Et là, je me fais total surprendre. Hein. Il était dans le bush, il a vraiment très très bien joué son gank. Ouais, il a très très bien joué, j'avoue. Il t'a vraiment surpris. Il t'a vraiment surpris le petit. Je m'attendais à qu'il soit tribush. Le temps que je push et que je retente un trade sur Olaf, mais lui il était carrément dans le bush, il est resté quand même longtemps, hein. On a vu une vingtaine de secondes avant de m'agresser, donc ouais c'est vrai que c'est là, ce que Jace déteste c'est vraiment le CC, donc ok c'est vraiment un problème pour Jace. Là ça lui permet de prendre le kill sur moi en plus, donc ouais. Donc là, t'es dans une position d'ailleurs, attends je vais mettre les matchups en face des autres, j'ai pas pensé, ou au moins celui-là sera déjà ça. Ouais, voilà, on est bien. Donc là, t'es dans une position dans laquelle Olaf tout à l'heure était mort, donc concrètement, t'avais un léger avantage tout de même, hein, puisque t'as récupéré une assist. Hein. J'ai récupéré le kill, mais j'en ai pas profité parce que j'ai pas back pour pas perdre d'XP sur ma lane. Ouais. Donc j'avais pas réellement d'avantage vu que lui est arrivé avant les premiers creeps qui tombent. On était équitable, mais faut savoir que là j'étais parti dans l'optique de faire la différence sur ma lane. Et donc le but c'est toujours de push. Là on peut voir que je suis mort, mais malgré tout je reste au même nombre de farms que le Olaf. Mm-hmm. Et donc c'est vraiment ça qu'on va voir tout au long de la game, c'est que même si on a l'impression que je suis en difficulté, au final je reste au même niveau que le Olaf, ce qui est le plus important. Après certes les gangs de Maokai sont assez redoutables. Là on voit qu'il y a un décal de Nidalee, donc j'essaye de suivre. Faut savoir qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de mobilité de Jace, donc il faut l'utiliser. Là, j'aurais pas le temps d'aller apporter mon aide, mais voilà, il faut quand même être présent. Au cas où elle aurait essayé de se suicider sur la tour de top, j'étais là pour la réceptionner. Mais c'est vrai, c'est vraiment. En fait, mon objectif, ça va être de prendre l'ascendant sur ma lane, et ça passe par du push constant. On va voir que je push tout le temps mon top. Soit pour provoquer le Maokai qui perd du temps au niveau de la top lane, essayer que Amumu, lui, plutôt soit tranquille et essaye de faire la différence sur d'autres lanes où viennent counter gank ma top lane. Vu que je push, on aura l'avantage en 2v2. Ou plutôt au contraire continuer mon push et prendre la différence au niveau du farm et de l'XP et du poke sur l'Olaf si Maokai ne vient pas l'aider. Donc vis-à-vis du matchup d'Olaf, contre Olaf justement, est-ce que à la base, sur le papier, avec Jace tu as l'avantage par rapport à Olaf? Oui, Jace normalement a l'avantage contre Olaf, surtout en early game, hein, comme actuellement, et c'est pour ça qu'on voit que je lui mets la pression. Je mets vraiment la pression et c'est pour ça que je push ma lane. Il faut utiliser cet avantage. Après, certes, ça peut se retourner contre moi si je me fais camper, mais ça, enfin voilà. Après, ça a Mumu d'essayer de voir ce qu'il préfère faire, soit devenir counter gank parce que ça se lit assez rapidement le fait de savoir si Maokai va plutôt gank top, ou soit d'aller faire la différence ailleurs et de me laisser tranquille. Là, on va voir que je suis un petit peu laissé tout seul. On m'abandonne un petit peu dans cette early game, mais comme je le rappelle, hein, je prends pas de retard au niveau de ma lane et c'est le principal. Là, on voit que Maokai, ça fait quand même 30 secondes qu'il a la tour. Je tente l'agression et bim, voilà, instantanément, la réaction, le gosse qui a été claqué. Et je vais mourir, hein, logiquement, flash in de la part de Maokai, j'avais plus mon flash, je l'avais utilisé sur le premier gank, et on voit bien la volonté, en tout cas, de me camper au niveau de la top lane. Pour l'instant, ça leur réussit bien. Alors, je pense qu'il y a des viewers qui se posent la question en se disant, bah merde, le son est décalé par rapport à l'image. Donc non, absolument pas, c'est juste que Dwagby, il a le flux vidéo de l'autre côté, sinon il y aurait 3 minutes de délai, vous vous doutez bien que c'est un petit peu compliqué. Ou sinon, on n'arriverait pas à se caler sur le LOL replay, donc ça serait un bordel pas possible aussi. Donc Dwagby, en fait, regarde le stream à côté, et du coup, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a 3-4 secondes de décalage avec ce que vous voyez à l'écran, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout est normal.
Donc voilà, c'est vrai que quand tu dis bah là, bam, je meurs, ils le savent déjà. Ah, ok, donc il y a 4 secondes, je vais essayer d'anticiper de parler avant l'action alors. Ok, bah de toute façon, tu m'as dit que tu avais bossé le replay, que tu l'avais regardé 4 ou 5 fois, donc je compte sur toi pour t'en rappeler. Ouais, j'ai pas pris de note, mais je sais de quoi je parle en tout cas. Donc non, mais ça devrait aller, c'est un détail, c'est pas très grave. En tout cas, donc voilà, tu nous en parlais depuis tout à l'heure. Là, t'es dans une position dans laquelle, bon, apparemment, Maokai a décidé de poser sa tente sur la top lane. Et où, au final, bah toi, t'arrives quand même à te maintenir au niveau du farm. On le voit très bien, là, t'es à 41 contre 41. Tu hard push. Et justement, il y a des gens qui auraient tendance à ne pas push. Justement parce que on sait que Maokai camp. Toi, tu vas push. C'est quoi le but en fait de push la lane le problème, en permanence? C'est que si je fais pas ce choix de continuer de push, bah, les premiers gangs de Maokai auront cette réussite parce qu'ils m'auront joué sur le mental. Faut savoir que le top pour moi c'est le poste où le mental il joue le plus. Et ça veut dire que là j'aurais laissé Olaf free farm puisqu'on aurait eu la lane soit push de mon côté, soit si je la freeze plutôt vers le milieu. Et ça veut dire que Maokai n'aurait plus besoin de venir au top pour aider son Olaf, c'est-à-dire qu'il irait faire la différence sur d'autres lanes. Et donc, ça veut dire que tout ce qui se passe depuis le début aurait servi à rien. Donc là, le but, c'est de continuer vraiment, quitte à me faire camper jusqu'à la mort, continuer de push. Je vois que Amu fait quand même la différence sur les autres lanes, hein. C'est pas un Amu qui a 4-0-0-0. Donc, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ne feraient pas automatiquement, hein. Je te dis, le réflexe naturel du joueur lambda serait vraiment de subir, justement, de se dire bon voilà, je me suis fait camper top, hein, et bon, certaines personnes reconnaîtront ce genre de dialogue, mais oui, de toute façon, ça babysit top, donc la lane est morte, je peux plus rien faire. Non, c'est pas toi, le cas. Tu sais que de toute façon, au farm, t'es kiff-kiff avec lui, que bon, il a pris un kill et une assist, toi t'as pris un kill, l'assist elle rapporte quoi, 120, 130, 150 gold, grand maximum. Vous êtes pareil au farm, donc au final les trades t'es pas sûr de les perdre à 100% et tu peux continuer à jouer. Je reste Jace en fait. La capacité de Jace c'est vraiment pouvoir soit on a envie de trade et là on va aller trade, soit on a envie de jouer défensif et on peut jouer défensif. C'est pas une Irelia qui va devoir tout le temps aller au contact pour farmer, donc elle va être coincée par rapport à ce style de jeu. Moi on voit bien là, il m'a mis une agression, il a claqué son gauche, j'ai claqué mon flash, donc on a tous les deux claqué nos spells. Mais au final je reste ma vie, enfin grâce à la flash etc, je reste la viable et regardez, je reprends le dessus au niveau des PV et maintenant ça va être à mon tour d'y aller. D'aller mettre un petit coup à cela, faut pas le laisser tranquille. C'est pas parce que je me suis fait camper au début qu'il faut le laisser jouer tranquillement et se dire bon bah maintenant je vais jouer défensif et je vais faire que farm. Et là donc là j'essaie d'utiliser au maximum continuer d'utiliser cet avantage avec Jace de pouvoir soit être agressif, soit être défensif. Faut juste bien temporiser les timings. Donc là il va y avoir un décal de Nidalee, donc tu ne la vois pas arriver. Il y a des pings mais tu ne la vois pas arriver. Ah, il y a eu des pings rouges. Ah, c'est des pings rouges, d'accord. J'ai pas eu l'information de Karthus parce qu'il était en train de gank bot. Ça peut se comprendre, mais voilà, on en voit, on reste dans l'optique, ils ont envie de me camper. Là, je sais que je suis mort, donc ce que je vais faire, je pense que c'est déjà passé. Je vais agresser l'Olaf parce que j'ai regardé, je sais que Karthus a eu le G, et là, je vais ping. Hein. Là, je sais pas s'il y a le chat ou pas, mais je suis en train de crier Karthus Press R, et au final, bah, ça se retrouve rentable. C'est pas rentable pour moi. Mais le move ça reste 1 pour 1, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça reste 1 pour 1 maintenant. Olaf ne prend toujours pas d'avantage après cette agression. Parce qu'il prend pas de farm supplémentaire, il prend pas d'XP supplémentaire. Il a juste pris une assist, je crois. Et moi j'ai juste pris une assist. Donc au final on en reste sur le même point. Je me fais camper, mais c'est pas grave. Alors à la grosse différence tout de même que là, ça aurait pu être un moment justement où depuis tout à l'heure les lanes sont en train de. Bah, Nidalee est venue, elle a push la lane. Donc là, il y a beaucoup de creeps quand même qui se sont écrasés sur la tour. Donc... C'est des creeps que Olaf n'a pas pris non plus. C'est ça, c'est des creeps qu'Olaf n'a pas pris. Je suis d'accord avec toi, mais si jamais tu n'étais pas mort sur ce move-là, t'aurais probablement pris l'avantage sur lui. Donc au final, ils ont un peu sauvé les meubles, même si, comme tu le dis, toi aussi, t'as sauvé les meubles de ton côté, parce que tu prends une assist, il prend une assist, il prend pas des creeps par rapport à toi. Donc même si t'as perdu des creeps, tu les as pas perdus par rapport à lui. Je sais pas si les viewers me suivent, mais tu les as pas perdus par rapport à lui, quoi. Donc ça. Et d'où la stratégie du début, hein, t'as tout à fait compris, c'est la stratégie du push en fait. Le fait que je push constamment, et bah ça lui fait perdre du farm. Et quand il va essayer de m'agresser, bah en m'agressant il perd du farm. Perd du farm en m'agressant, ce qui fait que moi je suis censé le récupérer derrière. Ou au pire il s'écrase sous la tour, mais là il a été récupéré par Amumu. Donc au final ce move a été tout bénef pour nous, parce qu'Amumu a pris l'XP et c'est tant mieux. Il n'est pas été. Enfin, les 10 creeps qui sont morts sous la tour n'ont pas été morts en vain. Et là, pour une fois, on voit un petit gang d'Amumu. Ça va mettre une petite pression à Maokai. Et là, il va y avoir une belle action. Hein, donc, je t'invite vraiment à suivre ce qui va se passer. Ça va arriver. D'accord. Donc, là, on voit que l'Amumu a pris la décision de venir au top.
ce qui est plutôt bien, même si c'est un peu tardif. On a mis une petite agression sur le Olaf. Et là, je pense que tu vas voir le décal. Je te laisse prendre la suite du temps en direct. Il y a, il y a eu le décal de Maokai. Tu prends le kill là sur Maokai avec la position d'arbalète. Tu vois, wow, tu esquives la hache à quelques centimètres près. Et derrière, le Amumu qui. Et c'est pas fini. Regarde le décal de Nidalee. Hein. Hey, d'ailleurs, il y a Nidalee qui décale. Donc là, Amumu et Olaf ont arrêté de se battre. On va se mettre sur Nidalee. Nidalee décale. Elle est dans le buisson. Elle t'a vu. Le javelot qui tape dans un creep. Donc là, bad timing. Hein. La wave de creep. Non mais en fait on la voit décaler du mid, donc je sais qu'elle est arrivée. C'est pour ça que je suis revenu sur ma tour. Parce que si je redescends sur la tour bot, bah là je me faisais tuer. Et donc là la hache de Olaf, ils essayent vraiment de... Ouais, ils te veulent quoi, là ils te veulent. On voit que la Nidalee va sauter, tu vas prendre le kill sur Olaf. Et là tu vas réussir pour l'instant à kite la Nidalee avec un très bon décal de Karthus. Le wall qui était parfait, le javelot qui part complètement à côté. Tu décides de mettre un coup de marteau. J'ai envie de dire que c'est le coup de marteau des balls quand même. Et derrière, donc le kill. Donc là, t'as parfaitement survécu. On peut, en fait, là tout de suite pointer du doigt les capacités de Jace, quoi. Là, avec Irelia ou n'importe quel autre perso, je pense que tu, à 100%. Tu serais mort deux fois. C'est pour ça que je dis avec Jace, c'est un héros qui déjà, il faut avoir une grosse réactivité, une bonne lecture du jeu, parce qu'il y a toujours ce petit truc qui nous permet de nous en sortir. J'ai quand même eu un petit peu de chance. Deux fois, je suis parti à très peu d'HP et je le cache pas, mais anticipant le décal de Nidalee qui venait sur la top lane, moi je remonte sur le Amumu, on reste tous les deux sur la tour et eux, enfin c'est de la solo queue donc ils sont pas très bien coordonnés. Donc là il va falloir utiliser le manque de communication. Olaf qui a envie d'y aller, Nidalee qui hésite encore un petit peu, elle essaye des javelots mais sans succès. Il y a juste à vraiment prêter attention à ça. La petite hache qui touche, là j'ai eu deux solutions. Soit je reste sur la tour et je mourrai dans tous les cas, ou soit je tentais l'agression sur Olaf et mon move allait tellement rapide qu'il avait pas le temps de me placer son E. Et c'est ce qui s'est passé, il en est mort. Nidalee derrière a vraiment voulu le kill. On n'a pas fait tout ça pour rien, donc on va aller le chercher. Il y a juste ce travail de kiting avec l'arrivée de Karthus tardive, mais il est quand même venu. Il aurait pu aller sur son mid farmer parce qu'il se dit que j'étais mort à 100%, mais il a pris la bonne décision. Et donc au final, ce move-là qui se transforme pour 3 pour 0, si je dis pas de bêtises. Vous avez pris 3 kills et vous êtes C'est pour ça que Jace, moi j'aime beaucoup ce héros-là, c'est grâce à sa mobilité. Encore une fois, là, t'as vu l'agression, un gosse pour un flash. Un gosse pour un flash, je suis d'accord. Maintenant, on se rend compte d'un truc quand même, c'est que là, le Olaf commence à devenir dérangeant par rapport ça, à toi. Il commence à bien piquer. Mais non, pas du tout. C'est pas contrairement à ça. En fait, c'est que lui, il a des moments de comment dire, des moments d'agression qui sont bien temporisés, où il a claqué son gosse, son ulti, etc. Et là, je peux rien faire à ce moment-là. Mais là, faut savoir qu'il a plus rien maintenant actuellement. Ouais. Donc là, ça va être à mon tour de répondre. Et je vais le faire normalement d'ici la minute qui suit, parce que je sais qu'il a ni l'ulti. Je crois qu'il a claqué son Ignite aussi, si je dis pas de bêtises. Donc, il a ni d'ulti, ni d'Ignite, ni de Ghost. Moi j'ai mon Ignite et j'ai juste plus mon flash en fait. Donc au final, ce move là, s'il prend pas le kill sur moi, ce move là n'est pas rentable pour lui. Et vous allez le voir dans les minutes qui suivent, je sais pas il y a combien de temps de décal. Mais ça va arriver, je pense. Voilà, là tu vas l'agresser en plus au même moment l'ulti de Karthus. Alors, c'est pas de la chance en fait. J'ai regardé on voit la map, on voit qu'il y a un team fight bot, on sait qu'on a Karthus. Dès que Karthus meurt, le premier réflexe de Karthus c'est d'ulti. Parce que Karthus lui savait même pas que j'avais besoin de son ulti au top. Et donc dès que j'ai vu Karthus mourir, j'ai engraissé. Parce que tu vois que mon saut est avant l'ulti de Karthus. Oui, oui. C'est-à-dire que je savais, et le problème c'est que si Karthus commence à ulti, Olaf allait partir. Oui, bien sûr. Il fallait que je l'agresse avant. Et donc je l'agresse avant. Mon coup de marteau en même temps l'ulti de Karthus est parfait. C'est vraiment c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une bonne visibilité. Là j'ai de la chance d'avoir un Karthus dans ma team. Donc j'ai vraiment fait l'agression maintenant, j'aurais pu la faire plus après, hein. J'aurais pu lui mettre un poke avec le EA et l'agresser après. Mais là je sentais qu'il allait avoir l'ulti de Karthus. On le sait sur la carte qu'il a son ulti, on sait qu'il est mort, on sait qu'il y a un team fight bot, c'est franchement obligatoire qu'il l'utilise, donc c'est pour ça que j'ai pris l'agression avant et pas après. Parce que là il a les backs et j'aurais pas eu le kill. Ceci messieurs est la vision de jeu d'un joueur pro. Ils ne sont pas de la même planète c'est pas, que c'est nous. C'est vraiment de la vision de jeu, c'est juste de l'analyse en fait, de la connaissance. Ouais. J'ai même pas regardé ce qui se passait, bot. Ouais, mais c'est ça, c'est impressionnant. T'as vu Karthus mourir parce qu'on l'entend quoi. Une allied has been slain. On sait qu'il y a Karthus qui est. Et on sait qu'il y a grâce à la petite icône sur le côté gauche. Donc là, c'est tout bénef pour moi d'agresser à ce moment-là. Rien à dire. En tout cas, bon, on découvre quand même bien les forces de Jace. Qui malgré le fait, moi ce que je trouvais un petit peu, c'est pas étonnant, ça m'étonne pas parce que je connais quand même le perso, mais on pourrait s'étonner du fait que bon, Olaf a besoin de PV donc va forcément partir sur du très 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 tanky.
toi, avec ton Jace, là, tu pars vraiment sur du dégât. Alors, est-ce qu'il faut tout le temps partir sur du dégât avec Jace en premier lieu? En tout cas, je suppose que tu vas chercher de l'item un petit peu plus tanky après. Mais est-ce qu'il faut tout le temps faire un early très très axé dégâts? Parce que là, tu es quand même en train de nous faire. T'as fait un Brutalizer et t'es quand même en train de partir sur un BT là. Donc, alors, oui. Pour moi, c'est vraiment beaucoup plus rentable de partir sur du dégât. Surtout contre, contre Olaf qui lui a juste besoin de m'arriver au corps à corps. Donc là il va y avoir un move où je vais encore me faire Tu t'es fait à 4 là. Donc on voit bien, mais ce qui est bien c'est que malgré tout ça je garde l'ascendant. J'ai réussi à prendre la tour juste avant. Là c'est eux qui vont prendre la mienne. Donc franchement rien n'est perdu malgré que je me sois fait camper. C'est vraiment cette capacité avec Jess qu'il faut garder en esprit. C'est que malgré que je me sois fait camper avec un autre héros, je me prends autant de gank mais la game est finie quoi. Enfin au top c'est slash FF. Là, j'ai toujours cette possibilité de gérer mes phases d'agression, de gérer mes phases défensives. Et c'est vraiment ce qui me permet de rester efficace, en tout cas. Donc okay. Au final, ils sont venus à 4 bots. On prend la tour bot lane. Il y a le double kill sur Karthus. Donc encore une fois, 2 pour 2. Totalement worth it. Mais on voit bien que là, franchement, dans cette game, tout le monde fait son taf. Que ce soit nous, les adversaires, il n'y a personne qui joue mal. Personne qui est out game. Tout le monde fait son taf, mais après, c'est juste la cohésion des 5 qui fait la différence. Il y a une meilleure cohésion dans ma team par rapport à la leur, même si là, ils ont fait quand même un très très beau move à 4 au niveau de la top lane, mais ouais. Donc oui, et au niveau du stuff, pour en revenir, je pense que oui, c'est beaucoup plus conseillé de partir sur un stuff AD à 80% des games, surtout quand on a un tank. On a un Mumu jungle, hein, c'est pas Lee Sin, c'est pas Xin, donc on peut se permettre de partir sur full AD. Donc oui, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Et c'est même plutôt conseillé. Et du coup, parlons du cas contraire. En quel cas, donc ces fameux 20% dans lesquels il ne faut pas partir sur du stuff AD, ce serait à quelle occasion? Ce serait avec un jungle agressif, où là, on va vraiment avoir l'aspect tanking, zoning, par exemple, protéger son carry AD. Là, mon rôle, c'est pas du tout en teamfight d'aller protéger mon carry AD ou autre chose, ou de rester sous forme de marteau la plupart du temps. Là, le but, c'est de faire un maximum de dégâts, mais les 20%, ce serait, imaginons, on a un Lee Sin qui, lui, va faire la différence en early game, grâce à sa mobilité, etc. Enfin, avant le patch, je ne sais pas, c'est hors sujet. Et moi, derrière, je vais partir plutôt sur un stuff Trinité, Ange Gardien, qui va me permettre en teamfight de vraiment, vraiment protéger mes coéquipiers grâce, grâce à mes dégâts et grâce à ma forme de marteau, où là, Lee Sin, lui, va plutôt prendre le rôle d'aller chercher les carry adverses. Alors là, on est en plein teamfight, il se passe plein de choses, on regarde un petit peu ce que tu fais. T'étais plutôt dans les avant-postes là quand même dans Steam Fight Line, et ce qu'on a vu c'est qu'immédiatement t'as vu que t'étais un petit peu trop avancé par rapport à tes tanks. T'as reculé, flash out. Faut jamais flash au dernier moment, là je savais que j'étais mal placé, je voulais aller chercher MF mais il y a Maoka qui avait bien zoné. Donc d'ailleurs j'ai préféré finir le kill sur track et flash instant, même pas réfléchir par rapport aux dégâts que j'allais prendre, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais pas mourir. Et faut savoir avec Jade, faut jamais partir, jamais back tant qu'il n'y a pas un risque de 100% qu'on va mourir. Faut pas partir. Là, j'avais juste les javelots de Nidalee. Je sais pas où t'en es toi, au niveau du fight, mais moi j'avais juste les javelots de Nidalee à esquiver. Sinon, il y a aucun risque que la MF me touche, aucun risque que le Maokai ne revienne. Donc, fallait pas que je back. D'ailleurs, ça va très bien illustrer la chose là, parce que tu vas prendre un javelot de Nidalee. C'est ça. Mais là, elle est encore une fois dans une mauvaise posture. Et là, t'as pris un kill. Je reste à une portée auquel je suis en sécurité, mais je reste, c'est ça le principal. J'ai pas ne pas regarder ce qui se passait, backer, je reviens. Dès que je sais que Nidalee est en train de reculer, moi j'avance. Quand elle avance, je recule, tu vois, il y a cette temporisation. Et derrière, en même temps que MF était troublé parce que Grave focusait Nidalee, elle a essayé de tuer Sona. Et moi, là, je viens en tant qu'assassin et boum, une petite boulet de canon dans la tête. Elle a cru que j'étais parti, mais en fait, je suis pas parti, je suis encore là et je prends le kill. D'ailleurs, ouais, on a très bien vu ce que tu fais, et ça, c'est encore une fois, je pense, un des gros avantages de Jace, c'est-à-dire que peu importe le bruiser que vous jouez à la base, hein, ne serait-ce que Irelia, ça peut être quoi, ça peut être un Garen, Jax, Garen, etc. Jax, tout ça. Dès le moment où vous allez être à poil, de toute façon, il faut vous en aller, parce que si vous voulez espérer faire un tant soit peu de dégâts, vous allez forcément vous exposer à la mort. Donc là, la grosse différence, c'est qu'avec Jace, avec la portée de son tir chargé dans le portail là, vous retrouvez très facilement en position de poke, de faire gros dégâts, et c'est d'ailleurs comme ça que t'as pris le kill sur MF. C'est ça. Donc c'est vraiment une chose comme quoi on sent vraiment que Jace est un perso particulier. Donc là il y a un autre teamfight, on voit que au niveau du focus, tu fais pas la même erreur que la fois précédente. Bon, au départ vous étiez tous autour de Olaf, donc ça me paraît assez normal que tu ailles dessus, lui mettre une bonne claque quoi. Mais
Et là, tu fais un très bon move, on viendra dessus après. Mais on voit tout de suite que dès que t'as vu les autres, les mates arriver, là t'as back instant. Là t'es pas resté là, tu t'es pas dit je vais chercher la MF. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs que t'as focus un petit peu le Tariq qui passait par là. Je suivais la team, cette fois-ci j'ai préféré suivre la team, ouais. Donc là on voit que j'ai fait le double kill. Et là c'est vraiment un cas solo queue où je joue beaucoup Nidalee. Je sais qu'une Nidalee, quand ça push une tour, ça va essayer de revenir. Et donc on voit bien que je suis là pour l'attendre et aller la tuer. Mais ça c'est. En team, ça se fait pas. Ça, c'est vraiment, je savais très bien, je joue Nidalee. Quand ça se passe comme ça, on veut revenir par derrière, mettre des javelots. Mais moi, je ne laisse pas l'occasion. J'ai cette mobilité avec Jess de pouvoir rattraper Nidalee. J'en profite un maximum. Et c'est ces genres de petits moves. Enfin, c'est vraiment ces petits moves-là qui font la différence. Ça, c'est, ça va un petit peu au-dessus de son taf, en fait. Ce que je viens de faire par rapport à Nidalee. J'aurais pu la laisser back, la laisser placer des javelots, aller push avec ma team. Mais il y a vraiment ça, c'est vraiment du plus. Mais en pouvant revenir au team fight, c'est vrai que j'ai pas fait la même erreur. Là, j'ai vraiment préféré jouer avec ma team, focus les mêmes cibles que ma team. Et voilà. Et là on voit une autre capacité de Jay, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est cette capacité de kiting. Donc là on est kiting, ça, c'est faire des dégâts tout en reculant. Donc grâce au portail, grâce au Q spell de Jace et à la mobilité, on peut partir comme ça en retraite sans prendre de risques. Et voilà, je me retourne 2-3 fois pour mettre des Q spells et ça permet de protéger Grave et Amemu. Et surtout bah, la team adverse au bout d'un moment abandonne le chase parce que je suis Jace et il n'y a aucune possibilité de nous rattraper. C'est vrai que ça, c'est une capacité qu'on découvre assez souvent hein, lorsqu'il y a un Jace en face. C'est pareil que la capacité, donc comme tu dis, Akaid, cette capacité-là, c'est vraiment infâme pour les gens qui, par exemple, viennent de faire un teamfight. Attends, deux secondes, je vais juste commenter ce qui se passe. Donc là, il y a un teamfight qui a été engagé sur le Drake. Et on voit qu'au final, Karthus est mort. Donc toi, t'avais back, c'est normal. Finalement... Le Drake est pas fait, on voit que Graves reprend l'aggro. Et là tu vois qu'ils ont envie d'aller sur Graves parce que Graves est tank le Drake, donc va forcément subir beaucoup de damage. Et là immédiatement, j'ai envie de dire quel garde du corps, tu t'interposes, tu vas direct sur l'Olaf, tu sais que tu vas lui faire beaucoup de dégâts et qu'après voilà, ça va au moins les faire back. Et je pense que t'as bien sauvé les miches de Graves. Plutôt que de back en fait, de se dire merde je vais prendre des dégâts, t'as vraiment privilégié le teamplay. Et le fait de privilégier le teamplay vous donne le Drake déjà, vous donne le kill sur Olaf. Donc voilà, pas forcément quand vous êtes dans une situation comme ça, parce que c'était quand même du 2v3 là, Mumu était quand même pas tout de suite là. Il y avait Olaf, Nidalee et MF je crois. C'est ça. Okai, je ne sais pas, un des deux. Il y avait MF, Nidalee, Olaf, mais on avait cette capacité en fait qu'ils étaient un petit peu, enfin cette chance qu'ils étaient un petit peu split. Il y avait la MF qui était un petit peu toute seule à droite, donc ça ce n'est pas un danger. Il faut vraiment évaluer les dangers potentiels. Il y avait le Olaf qui arrivait comme un bourrin avec la Nidalee derrière. On avait la petite MF qui était dans son coin qui elle hésitait un petit peu. Donc là le vrai danger comme tu dis, c'était protéger le Grave contre le Olaf. Protéger le Grave contre le Olaf c'était mon rôle. Ce que j'ai fait avec le petit knockback et il en est mort etc. Avec le, bah, ça l'a un petit peu surpris que je me retourne d'un coup. Et que je lui mette vraiment tout le burst. C'est vraiment ça qu'il a comme capacité aussi, Jace. C'est qu'il a des phases d'agression. Enfin, il fait beaucoup de dégâts sur une courte durée. Et ça, c'est très très bien d'utiliser. Ça impressionne beaucoup. Et en plus de ça, je me permets même le luxe de prendre le dragon avec une petite auto-attaque derrière avant de partir. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Donc voilà, donc pour l'instant, on voit que certes, au début de la game, t'étais pas dans une situation ultra favorable. Mais le fait que t'aies réussi à te maintenir comme ça du début à la fin sur cette phase de laning, comme tu nous l'as très bien expliqué d'ailleurs, et ben on se rend compte que dès que la phase de team fight arrive, bah, t'as ton utilité quoi. C'est pas comme si tu t'étais fait en complètement enterré. Là on va voir un autre team fight d'ailleurs. Tu restes avec la team. Là t'essaies quand même d'esquiver un maximum de dégâts. Il y a un ulti de Maokai, il y a un ulti de MF qui part. Karthus de toute façon doit mourir entre guillemets, hein. Karthus ça meurt. C'est son rôle. Et son but c'est de mourir et de tuer les gens après. Mais là le Karthus va mourir et du coup toi, voilà, t'essayes vraiment au départ d'esquiver le plus de dégâts possible. Tu ne te précipites pas, tu te jettes pas spécialement, tu lances des petits pots qu'en même temps de l'autre côté dans les autres. Là on voit que la Sona est allée un peu loin. Mais au final c'est Nidalee qui se fait bait, Sona arrive à rester en vie. Et là bon bah t'es legendary, c'est l'autoroute, t'es complètement là, dans la game. Voilà, là je vais t'expliquer un peu pourquoi j'ai pas backé au moment où Sona a suivi. Parce que faut savoir contre une Nidalee, faut jamais suivre de route linéaire. Donc le petit trajet Red Buff, fallait pas le faire comme Sona a fait, c'était vraiment très risqué, mais elle avait son ulti, moi j'avais pas l'information. Parce qu'il y a eu un teamfight, logiquement Sona ne sort pas d'un teamfight avec son outil. Donc c'est pour ça qu'elle a pris ce risque là que moi je pensais pas prendre hein. Des fois certaines, on sait que des coéquipiers peuvent faire certaines erreurs. Mais c'est pas pour cela que vous aussi vous devez les faire.
voilà pourquoi moi je fais le contour. Je vois qu'au final ça se transforme plutôt bien. Elle arrive à tuer la Nidalee grâce à son ulti, etc. Et au fin de compte, j'étais quand même présent grâce, bah, grâce à la mobilité de Jay. Je suis quand même là. Je suis pas parti derrière avec ma team ou avec Grave où j'ai pas backé. Je reste quand même présent. Je protège ma team jusqu'au bout et j'arrive à prendre le kill. Je crois que c'était MF ou je sais plus. C'est juste derrière. C'est Nidalee à la fin en fait. C'est Nidalee. J'ai fini Nidalee. C'est elle qui tue MF à la base. D'accord. Et c'est le contraire. D'accord. Et donc je finis Nidalee alors que là normalement Nidalee aurait tué Sona. Donc c'est vraiment toujours ce petit côté garde du corps qu'il faut garder en tête avec Jayce. Sur le teamfight précédent, je gardais le Grave. On a vu que sur le Olaf, j'ai vraiment trade contre lui pour protéger le Grave et pour le laisser free DPS. Juste après avoir esquivé du team Nidalee, etc. Mais on voit que mon optique, c'est vraiment garde du corps au maximum. Contre ce Olaf qui quand même pose quelques problèmes à ma team. C'est vrai que d'ailleurs Olaf extrêmement pique en ce moment, mais on voit que Olaf au final s'est fait enterrer petit à petit dans la game. Il est à 3-9-6, mort 9 fois quand même, alors que sur la phase de Lennox ça allait à peu près. C'est ça, et en plus il s'est fait. Tout le travail de Maokai a été réduit à néant. Enfin, Nidalee aussi a des calmes, mais tout ce camping, au final, Amumu a fait des meilleurs choix que Maokai parce que Amumu ne m'a pas campé top. Il est une fois top, ça a été un bon move. Mais sinon, il a fait la différence sur d'autres lanes, ce que Maokai n'a pas fait, à se camper uniquement sur le top. Et c'est vraiment cette provocation depuis le début à push qui force ce camping. Je sais pas, peut-être Olaf demander des ganks à chaque fois ou expliquer qu'il était en difficulté et qu'il avait besoin d'aide pour me tuer. Mais on voit bien que ça n'a eu aucun impact sur la game. Ça a même eu un impact négatif, puisque en se concentrant sur cette top lane qui au final il a jamais réussi à l'enterrer, hein, cette top lane, et ben il a voilà, il y a un team fight. On voit que là bon bah maintenant c'est de la formalité, t'esquives quand même les dégâts d'MF parce que MF faut faire gaffe, ça fait très mal. Là un petit pré-shot de Q. Derrière, bon bah tu suis la team, tu vas pas te perdre dans un chase sur MF, tu préfères assurer les kills, rester à côté de ta team. C'est toujours l'attitude à adopter. Là vous avez largement la place de faire le baron et ça va sur Ender. Ça va sur Ender à ce moment-là. C'est dommage parce qu'on aurait pu voir un petit peu une fois qu'on domine. Après là ça aurait été l'autoroute, hein. Ça aurait été Nashor, back, inhib, team fight et finir. Mais on n'a pas eu cette capacité j'ai pas vraiment réel poke avant un team fight durant cette game. C'est le seul aspect positif de Jayce qu'on n'a pas eu l'occasion de voir durant cette game. Mais sinon, on a vu plein de belles choses possibles avec Jayce à faire et surtout les priorités à suivre. D'ailleurs, en parlant des belles choses à faire avec Jayce, des petits tips à savoir, et on reparlera de ce poke en late game quand vous dominez, on retrouve ça juste après une courte pause. Donc restez sur la TV2 et tout de suite, on va s'atteler un petit peu aux pages de runes, aux masteries et aux tips de Dwagby. Voilà, restez sur la TV2 et à tout de suite. De retour donc avec un petit écran en plus. Donc vous êtes en train de suivre le focus du Jayce de Dwagby. On va passer là un petit peu à tout ce qui est plus basique, j'ai pas envie de dire plus basique, mais
qui est la base de tout bon guide. J'ai envie de dire, quand vous prenez un guide en main, vous avez envie de vous dire, tiens, il faut que je prenne quelle rune, il faut que je prenne quelle masterise. Bah là, ça va être un guide en live. Et en plus, vous allez avoir les explications du pourquoi, du comment choisir telle rune ou telle rune. On va aller regarder immédiatement donc mes pages de runes. Elles sont ici. Je vais en prendre une qui s'appelait Focus Oriana et on va l'appeler Focus Jace. Et on va commencer, Dwagby, par une page de runes qui serait, bah, j'ai pas envie de dire, si passe-partout pour Jace. Une page de runes en fait que vous prendrez globalement si vous n'avez pas toutes les runes du jeu, que vous prendrez en cas de... Voilà, en cas de pick Jace, vous prendrez ces runes-là. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais dans les rouges, dans les jaunes, dans les bleus, La plus etc. classique pour répondre à peu près tous les match-ups et être le plus efficace possible, ce serait de mettre de l'AD en rouge et en quintessence parce qu'il y a des bons ratios AD sur Jace. Hein, c'est un héros qui a que des ratios AD sur ses spells. Donc, il faut l'utiliser avec cet AD. Ça vous permet aussi, ça vous aide au farm hein, plutôt que la pénétration d'armure en early game. Donc, c'est vraiment tout bénef. Derrière, on va partir sur de l'armure en jaune, logiquement, parce qu'on a beaucoup de match-up Breezer. Et en bleu, on va finir sur de l'ARM en cas de match-up sur la lane qui nous permettra d'être déjà mieux tenir. En cas de gank, hein, si c'est un Amumu, c'est un Maokai, ça fait des dégâts magiques, donc il faut pouvoir aussi résister à ça. Et aussi, bah, en teamfight, ça nous permet d'encaisser un petit peu mieux déjà les dégâts magiques, parce que comme tu as pu le voir, je ne prends pas beaucoup de stuff défensif. En tout cas, je le prends très très tard dans la game. Et donc ces petites runes nous permettent au moins au début de game de tenir comme il faut. D'ailleurs, petite question sur la magic resist. On se pose souvent la question, est-ce qu'il vaut mieux des magic resist par level ou des magic resist flat? Alors dans cette optique-là de passe-partout, il faudrait plutôt les directs. Parce qu'imagine on lane contre un Vlad, on lane contre un Kennen, on lane contre un Rumble. Bah là, la magic par niveau va nous poser problème. Donc l'objectif là, c'est vraiment la phase de laning. Comme tu dis, c'est un peu passe-partout. Donc on va se focaliser sur ça, de prendre le strict minimum pour moi, c'est ça. D'avoir un peu d'RM pour tenir sa lane en cas de gank ou contre un Yorick, et on sait que l'RM c'est bien. Contre un Jax, l'RM ça peut être bien. Donc cette petite RM qui nous permet de tenir l'early game, l'armure aussi, et les physiques dommages aussi. Ok, donc ça c'est la page passe-partout. Entre guillemets, si vous n'avez pas trop de runes, si vous voulez une page qui marche bien sur Jace, c'est celle-ci. Elle s'appliquera bien sur à peu près tous les match-ups. Maintenant, on va rentrer dans les choses un petit peu plus spécifiques. Je pense que tu as quand même plusieurs pages de runes pour le perso, je C'est ça. pense. Il y a... Donc toi, à quelle page de runes tu penses immédiatement? Alors ça dépend vraiment du match-up. On a deux spécificités. Si par exemple on est contre un Xin Riven, donc des choses qui vont nous faire très 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 mal en early game, là j'ai vraiment focalisé sur de l'armure. L'armure à mort, c'est-à-dire je vais garder cette attaque en quintessence et en rouge pour pouvoir quand même répondre au trade et avoir cette... Bah, le fait de faire quand même assez beaucoup de dégâts parce qu'il faut savoir qu'il y a cette capacité avec Jace d'être efficace en early game grâce à son poke, grâce à ses deux formes, et donc il faut pouvoir l'utiliser. Donc cette AD qui va être quand même indispensable, et derrière on va partir sur de l'armure en jaune et en bleu, mais de l'armure directe parce que ça va être vraiment bah, les premiers ganks de ce Xin avec Riven qui va nous faire très très mal et il va falloir encaisser comme il faut. Donc c'est très très simple, ça va nous finir par 19 armures et 15 AD. Là, c'est vraiment pour défendre contre des compos plutôt AD qu'on voit énormément en ce moment. Hein. Et complètement, on voit souvent un AD top, un AD mid, voire un AD C'est en ça. plus dans la Il peut y avoir jungle, full AD, hein. 3 donc AD, full ça AD. existe. Donc ça c'est une page de rune qui sera un petit peu plus actuelle. Quand vous voyez qu'il y a un Panthéon, un Garen et tout ce qui se pointe en face, vous dites ok, je prends celle-là. Ça c'est contre bon, caster, hein. J'ai mis caster AD, ça peut être aussi appelé deep AD. Est-ce que tu as une autre petite page de rune à conseiller Aussi, mais c'est ou... la même logique, c'est contre une composition AP. Donc ça D'accord. serait contre un Rumble top avec un Vladimir mid. On sait que le combo peut être bien, ou Rumble avec... On voit beaucoup de Rumble au top Ah actuellement. oui. Et voilà, il suffit qu'il y ait un petit AP comme Lux ou je ne sais pas au mid avec un Amumu jungle. Parce qu'on sait qu'Amumu jungle marche très très bien avec le combo double AP. Où là, enfin, l'armure ne servirait pas à grand chose. Hein, si tu suis un petit peu Oui. le principe, et donc là ça va être tout à fait le contraire, c'est tu remplaces toute l'armure par de la RM, mais direct aussi, hein, de la RM flat, ce qui nous permettra d'avoir 19 Magic Resist et 15 AD. Donc là, donc l'ARM hein, flat, tu m'as dit. Donc on a couvert à peu près tous les match-ups. Je l'ai fini quand même
Si vous voulez retrouver ces pages de runes, comme ça vous pouvez le faire. Il suffit de regarder mon profil hein, sur le jeu et vous trouvez ça. Donc ça c'est ce qu'on joue en cas d'AP. On voit quand même une chose hein, qui se dégage assez facilement. On ne se passe pas des runes et des quintés AD. Faut vraiment Vraiment, pas, il faut vraiment pas. voilà. Ça serait de se priver de la capacité de Jace à faire la différence sur la phase de laning. C'est surtout sur la phase de laning parce qu'après on part sur un stuff full AD, donc ça rattraperait si on partirait sur d'autres sortes de runes. Mais cette early game est très très importante pour Jace. Et on verra ça au niveau des tips, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment pas s'en passer. Avant de passer aux tips, on va juste jeter un œil aux masteries. Donc on va l'appeler, voilà, une nouvelle page de mastery qui s'appelle Jace Passepartout, comme la personne de petite taille dans Fort Boyard. Voilà. Donc la page Passepartout, celle que tu jouerais le plus souvent Alors ça au dépend, niveau des parce que masteries. actuellement, ça ne serait pas la passe-partout que je jouerais, parce que actuellement je joue plutôt agressif sur ma phase de lane, mais la réelle passe-partout, ça serait la 9-21 pour Jace. D'accord, une 9-21-0, Voilà. Donc donc des points. des runes offensives avec des masteries défensives, ça fait l'équilibre assez clean au niveau de la sécurité, parce que moi j'ai peur de vous conseiller d'être full offensif et derrière vous prenez les trades au mauvais moment et là ça se retourne contre vous, et si vous mourrez une fois alors que vous êtes en full offensif, ça va être très très dur de remonter parce que vous allez remourir une deuxième fois, une troisième fois, vu que vous êtes très fragile. Donc je préfère vous conseiller cette page de rune en tant que passe-partout, donc avec les maîtrises qu'on a vu passe-partout. Ça serait l'attaque speed classique, hein, tout ce qui est classique en rouge, et après derrière d'aller chercher l'ARM directement. Donc ça serait Et donc, 4-4-1. ouais. Ouais, 4, 4, 1, 3. Tu prends Non, le c'est pourcent? Tu les prends 9-21, pas? 9 en offensif, Ah, en oui, gros. c'est 9. Oui. Suis-je bête? Voyons, Jack. Et donc, tu 9, après, prendrais tu prends les l'ARM. HP, Les HP, l'ARM. c'est ça, la ténacité, les HP augmentés. Alors, attends. En fait, Je je suis. suis par rapport au stream, mais j'ai le décalage, donc. Ouais, je me doute bien, la ténacité. What the fuck? Donc la L'armure, durability, ok, on est l'armure, good. l'armure. L'armure, très bien. Voilà. Tu prends Le les 3 en point. armure? Oui, les trois. Le point en HP supplémentaire, le Ouais. petit 40 HP du début. Ouais. L'armure du salut, je crois que c'est tout à gauche. Moi, j'ai en anglais, je crois que ça s'appelle comme ça. Le truc qui fait que tu as des dégâts réduits Par rapport aux attaques pour des le champions. champion, ouais. Le réduc dommage juste en dessous des champions Ouais. basiques de 3 qui aident beaucoup pour l'early. Là, tu as la ténacité qui s'est débloquée. Ouais. Juste à droite de ça. Et Juggernaut, je sais pas comment ça s'appelle en français, au niveau des HP augmentés. Ça, c'est au cas où on part sur une Warmog. C'est vraiment très intéressant. Et puis le 21, la petite maîtrise tout en bas. D'accord, donc avec ça te permet en fait d'avoir un Jace qui est offensif de par les Équilibré. runes, mais défensif de par les masteries, donc équilibré. Toi maintenant, tu nous as dit que tu jouais autre chose. Voilà, ça Donc. c'était ce qui était vraiment conseillé pour ceux qui veulent se lancer sur le J-Stop. Après, une fois qu'on a acquis un petit peu plus d'expérience avec ce héros-là, on va partir sur un. On va dire. C'était quoi? J'avais fait 14-16. Je crois que j'étais en 14-16, où là on a vraiment D'accord. cet équilibre. On va commencer à être agressif. Et on va rester un petit peu résistant, un peu moins. On va le sentir déjà, hein, le fait d'être beaucoup moins résistant. Donc 14-16, tu pars sur les 4 attaques speed. Je vais le faire en même temps que toi, pour pas te dire de bêtises. Donc les 4 attaques speed, l'ignite amélioré, les dégâts par niveau, la pénétration d'armure, les 3 en les dommages augmentés de 2%, et les 2 points en brute force. Par contre, là, on est à 15, c'est parce qu'il faut enlever le petit point dans la vitesse d'attaque pour mettre le D'accord. petit point sur les lignes. Donc là, on est à 14. Niveau offensif, on va partir en défensif. On va prendre les HP par niveau, l'ARM directement, l'armure directement, l'HP, les 30 HP supplémentaires, et puis les dégâts réduits par Les champions. les champions adverses. Et là, il nous reste 2 points. Ces 2 points, ils sont un petit peu, on peut les mettre un peu partout. Donc là, faut savoir ce qu'on va préférer mettre en avant. On peut réduire les dégâts des creeps, on peut avoir un petit peu de régène supplémentaire. On peut réduire les slows si c'est une composition qui a des slows, ou on peut les mettre dans la ténacité. Moi, ce que je fais, c'est plutôt de les mettre dans la ténacité. Et les petits 10% de ténacité en plus font le taf, parce qu'on sait que le pire ennemi de Jace, c'est vraiment les CC. Oui, c'est vrai. C'est Donc vrai, là, on est c'est en vrai. 14-16. Donc là, t'es en 14-16-0. Donc au final, une page assez hybride. Par rapport à la 9-21, tu rajoutes vraiment donc ces Elle est directement, 3%, ouais. ces 3%, ces 3%, ces 2% pardon de dégâts et la D, les 3 AD de base. Donc ils vont vraiment normalement t'offrir un early un petit peu plus, je Plus dirais agressif, facile, plus ça. agressif, c'est ça, plus agressif,
facile au niveau des trades, en tout cas ça que je voulais dire. Donc voilà, donc ça c'est la page que tu joues un peu actuellement, puisque tu disais que toi tu aimes actuellement jouer ton Jace de façon agressive sur la Alors non, lane. je joue une troisième sorte de page. Ah, il avait un Ça, petit c'était vraiment la page. secret. Ça, c'est la page plutôt défensive-offensive qui nous permet d'avoir le bon équilibre au cas où, par exemple, il y a deux junglers équitables. Si par exemple, bah, t'as Maokai contre Xin, Maokai, pardon, contre Amumu, cette page de rune va être vraiment plus efficace parce qu'au niveau des 2v2, vous allez les remporter parce que vous aurez plus de dégâts que t'es Amumu ou Maokai dans ton équipe. Si tu as l'avantage sur ton match-up de base, plus, parce que Jayce a l'avantage contre beaucoup de match-up au top, faut le savoir, plus ce petit jungle qui vont être égalité, bah tu auras ce petit plus au niveau des dégâts pour faire ce first blood qui aide beaucoup durant la game. Donc on sait que les premiers ganks se font souvent au top. Donc voilà, ça aide beaucoup ce petit 14-16 plutôt que ce 9-21. C'est ça. Le 9-21, c'est vraiment au cas où il y a un Amumu avec toi contre un Xin Zhao, contre quelque chose qui va vraiment t'embêter en early game. Hein. Je pense que tu l'as bien compris. Alors que ton jungler à toi, tu vas plutôt l'éviter de le faire venir parce qu'en 2v2, vous allez perdre. Est-ce que c'est rentable de prendre le risque de faire perdre du temps à ton jungler alors que vous avez donné le first blood? Donc le 9-21, c'est pour gérer sa lane tout seul. C'est vraiment tout seul. Vous êtes solo. Vos petites masteries passent partout. Votre petite rune passe partout. Et vous êtes tout seul dans la game. D'accord, alors on va passer sur la tienne, ton secret, ta secret tactique, le Jayce Là, de Dogby. Alors toi, comment tu le joues? Explique-nous tout ça. durant le stream que vous avez, enfin le replay que vous avez pu observer et actuellement comment je le joue en 21-9 tout simplement, full offensif, histoire d'être très très efficace au niveau de l'early game. On a bien vu hein, l'avantage qu'on connaît sur Olaf, mais on a aussi vu ses défauts. Hein. Vous avez vu les défauts qu'à chaque gank de Maokai, je mourrais. Donc c'est Oui. aussi les défauts de cette page de rune là. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien la gérer, parce que moi je savais qu'en prenant les ganks de Maokai, je gardais quand même ce petit équilibre. Ça aurait pu ne pas être le cas. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Donc au niveau de la page de rune, on va partir sur 3 en attaque speed plus l'ignite améliorée. Les 4 dégâts par niveau. La pénétration d'armure, les 2%, les 3 attaques damage. On va mettre 4 points dans la réduction cooldown. D'accord. 3-1. Et il faut juste enlever voilà, dans les 2%. C'est Et vraiment t'enlèves ça. un point Donc en dans les fait, tu 2%. mets un point dans les 2% et tu remets le point dans Fury Attack Speed tout en haut, tu mets 4. Parce que D'accord. d'avoir 0, enfin d'avoir 1,33, ça change pas grand-chose avec le 0,67. Ou au pire, tu peux carrément t'en passer et mettre un petit point de plus dans les creeps au niveau pour t'aider un petit peu au farm, aux Oui. dégâts faits aux creeps. Parce qu'on sait que Jayce, sous la forme du canon, il fait pas très très mal. Donc ça aide un petit peu. Donc voilà, on va se passer de cette petite rune. D'attaque améliorée et on va prendre CPI 21 et puis en 9 classique, les HP par niveau, les 3 points en armure parce qu'on est souvent contre un match-up AD, 1 point en Magic Resist parce que le premier point donne 2, donc Oui. c'est beaucoup plus rentable, et puis le petit point dans les HP, donc 21-9. On se retrouve comme ça. Voilà, donc ça c'est la page de rune avec laquelle tu joues ton Jayce actuellement, donc très agressif, avec donc juste le petit bémol par rapport à cette page de rune. Déjà je pense qu'il Les faut premiers gants. bien maîtriser le perso quand même pour partir sur une comme ça. Si vous ne maîtrisez pas le perso, si vous avez envie d'apprendre Jayce un petit peu, mieux vaut jouer soit la passe-partout, soit celle qui est un petit peu plus hybride. Là, il faut maîtriser quand même un petit peu plus pour jouer très très agressif. Et comme Dogby vient de le signaler, il faut faire attention au premier gang parce que là, vous êtes très 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 vulnérable, vous prenez hyper cher. Donc voilà. Donc les masterises, on est bon. Là, ça va. On a 3 pages de masterise, on en a tout autour de la ceinture. Là, c'est bon. Du coup, on va passer quand même sur les petits tips and tricks, j'ai envie de dire de Jayce. Donc, toi, est-ce que tu aurais des petits tips pro un petit peu à partager avec nos viewers, les choses à faire et les choses à surtout pas faire? Alors, faut savoir que Jayce, il a vraiment, vraiment des bons trades. Vraiment des bons trades. Donc, ne pas hésiter à les utiliser en phase de lane. Donc, grâce à son combo bah, E plus le canon, on le saute dessus, on lui met le marteau, on lui met l'auto-attaque. Profiter du passif, vraiment profiter de ce passif-là avec Jayce qui est très intéressant à chaque changement de forme qui vous donne un bonus d'attaque supplémentaire. Et après, le petit coup de marteau et on repart comme si de rien n'était comme un petit ange. Et nous, on a pris 0 dégâts, on a enlevé facile 3-4 carreaux à son adversaire. Donc vraiment utiliser cette efficacité en lane, vraiment vraiment n'ayez pas peur des trades. Il a quand même cet avantage aussi, il est assez safe en lane. On l'a bien vu hein, que malgré les ganks, etc. Je le répète encore une fois, je mourais. Hein. On regarde pas le score, on regarde vraiment l'efficacité au niveau de sa rentabilité. Je restais vraiment au même niveau que l'Olaf, donc ça montre vraiment
que j'étais safe dans ma lane malgré tous les ganks. Donc c'est vraiment cette capacité. Il a très très peu de counter pick. Donc il a vraiment cette capacité à pouvoir jouer beaucoup de match-up différents. Ça c'est vraiment très intéressant, ce genre d'hero, surtout en solo queue. On est des fois, voilà, on doit pick son top avant celui-là, enfin avant le top adverse. Donc c'est vraiment très sympa à utiliser. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup Jayce. Pour moi, c'est vraiment un héros qui est très très en forme actuellement et qu'il faut jouer parce que pas beaucoup d'autres héros le contre au niveau de la top lane. En plus de ça, c'est un héros qui est vraiment fun à jouer. Donc il a un bon trade, il est bien à jouer. On s'amuse vraiment avec ce héros. Il a du très bon poke. Donc la chose qu'on n'a pas vue durant le replay, mais je pense que tu peux le confirmer, toi Jack. C'est cette capacité à pouvoir poke avant un teamfight. Oui, ça se combine très bien avec Nidal et Mid d'ailleurs. Hein. Quand vous avez les deux dans votre team, il se passe des choses un peu bizarres avant les teamfights et l'équipe adverse elle commence les teamfights tout nu ou à 4. Donc voilà. Et avant ce petit. Enfin, pardon, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en ayant vu ces petites maîtrises et ces runes AD, vraiment, vraiment AD, et ben, on s'aperçoit qu'on a quand même comme si on avait un deuxième carry AD dans la team. Et on sait que les carry AD font très très mal arriver en fin de game, etc. Et donc c'est vraiment beaucoup beaucoup d'avantages à utiliser. Il faut vraiment se focaliser sur les dégâts avec Jayce. Et c'est pour ça que tu as vu sur le teamfight où il y avait l'ulti DMF, etc. J'attendais, voilà, je temporisais, j'étais comme Katarina, je temporise, j'attends que tout se termine. Et je vais dans le tas à la fin, je prends pas beaucoup de dégâts. Et moi je vais mettre la sauce juste derrière quand les gens n'ont plus rien. Et ça fait la diff, ça fait vraiment la diff. D'accord, bon, en tout cas tout a été bien expliqué. Je pense que les tips sont bons. On va passer donc à la troisième partie de cette émission qui consiste en quoi ? La troisième partie, elle consiste à pouvoir jouer une game avec Dwagby et moi-même. Voilà, pour ceux qui ont toujours rêvé de jouer avec Dwagby, c'est le moment. Donc je vais poser une question sur l'IRC une fois que la game sera créée. Donc là je vais mettre une petite pause d'une minute trente. On se retrouve juste après pour la question et pour la game en votre compagnie pour finir tranquillement cette petite soirée de focus. Restez sur la TV2 et à tout de suite. Par cœur cette musique à force, re-bienvenue, tout ça. La question est posée à l'instant sur l'IRC, je voulais un petit peu spam, vous avez le nom de la game dessus et vous avez le mot de passe. Le nom de la game c'est focus, espace 2 points, espace Jayce, espace Dwagby, un petit peu chiant à taper mais c'est pour que les gens ne se précipitent pas trop. Et la question donc c'est quelle est l'équipe actuelle de Dwagby, donc voilà, tout est là. Le but c'est de rentrer dans la game, les mecs, c'est pas de m'envoyer le MP
avec le mot de passe. Voilà. Donc vous avez le game name, vous avez tout. Donc vous pouvez rentrer. Regardez, regardez comme il se rush, il se rue dans la team de Dogby. Mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. La team de Dogby est complète. Donc ceux qui seront en face seront deux pauvres gens qui vont devoir focus Dogby. Donc voilà. Dogby, tu as tes cinq bourreaux en face de toi. Focusser Dogby, laissez-moi tranquille. Et donc évidemment, la seule chose à respecter, hein, je vous demande de respecter ça, les chers compatriotes qui sont dans la game, eh bien, s'il vous plaît, laissez Jayce à Dogby. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Donc moi, je ne pique pas pour l'instant. Prends ton Jayce Dogby, fais-toi plaise. J'attends que vous piquiez tous votre truc et puis je choisirai un pick en dernier. Et oui, il n'y a que 9 slots, les amis. Il n'y a que 9 slots. Donc évidemment, évidemment. Bah allez-y, mais c'est bon, c'est de la normal game. Faites-vous plaise quand même. Donc Dogby, la réponse TGSU, hein, en minuscule. La réponse à la question. Donc ça choisit. J'espère que c'est pas trop AFK. Canaille Jungle, le mec il parle anglais. Il suit la MTV2, mais il est tellement habitué à faire de Ouais, la c'est solo queue. 100% Hey anglais. guys, Canaille Jungle. Donc vas-y Jungle, je vais jouer le support. Va. Allez, allez, allez. Je vais jouer le support. Donc qu'est-ce que je vais jouer comme support? On s'en fout. De toute façon, tu joues Jayce et c'est le principal. C'est le principal, c'est le principal. Des supports, un support marron. On va jouer Leona, tiens, on va tryhard un peu. Voilà. Je vais devoir baisser mon pantalon. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc on est parti. Donc voilà. Tu vas nous montrer un petit peu, après nous avoir appris tant de choses sur ce personnage, tu vas nous montrer un petit peu ce qu'il en est. Parce que c'est vrai que là on a vu un replay, donc c'est on analyse comme ça, mais tu vois, je pense qu'il y a des gens qui te croient pas trop sur les petits instincts que t'as eu avec voilà, lâche ça avec Karthus et Ah, et t'es mort. Donc pourtant, je vois prouve-le, ça. prouve-le, 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 c'est le moment, ça va stream hack, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Le principal, c'est que ça joue contre et avec Dogby et qu'on s'amuse. Ok, quelqu'un qui veut vous dire bonjour, ouais, apparemment, puisqu'il a l'air de vouloir monter sur le bureau. Donc le voilà. Bonjour, bonjour la MTV2. Lui, il est chaud, il a envie de jouer contre Dogby. Et franchement, Dogby, lui, c'est un pro. C'est lui qui m'APL mes matchs de placement et lui, il te roule dessus. Donc je pense que t'as pas le stream avec toi, mais voilà, Si tu je peux un petit comprendrais. peu, C'est bon, voilà, je vois la bête. c'était la bête, la bête, la bête. Voilà, allez, trêve de conneries, on est parti. On est parti, on est parti. Tiens d'ailleurs, non, j'ai cru que mon XSplit avait planté, ce qui aurait été un petit peu malheureux, puisque je suis en train de record l'émission, vous pourrez retrouver en VOD assez rapidement. Alors vous allez dire, ouais, s'il dit assez rapidement, comme aussi rapidement que celle avec Schleya, on l'aura jamais. Celle avec Schleya, j'attends qu'elle soit analysée, en fait, par notre cher patron. Pour en faire quelque chose. Parce que c'est vrai que c'était le premier jet. Je suis. Limite, si je vous la sors, je pense que je vous la sortirai juste avec la partie de l'analyse de replay. Parce que c'est vrai que le reste de l'émission est un vrai fiasco. Donc on va faire en sorte que voilà, celui-là ne soit pas comme ça. Ne soit pas un fiasco. Et que la game se passe bien. Donc c'est vous, les viewers, qui réussissez à faire une belle game maintenant. Donc Dogby, qu'est-ce que tu penses de la compo adverse? Qu'est-ce que tu penses du match-up? Tu vas jouer contre Yorick. Donc est-ce que Yorick doit se faire du souci en face? Alors au top, quand tu regardes ton match-up top, tu regardais le jungler en même temps. Donc là, j'ai D'accord. joué contre Yorick Xin avec Jayce Rammus. Franchement, avec des bons focus, on peut prendre le dessus. Yorick, ça met un petit peu de temps à rentrer dans la game. Mais en tout cas, il a cet avantage de pouvoir mode sustain. Hein. On n'a pas trop dit les défauts de Jayce, mais il faut savoir que, qu'il en a, il en a beaucoup. Et son défaut premier, c'est d'avoir aucun sustain. En face de l'ennemi, parfois ça aide. Et donc ouais. Donc il peut, s'il joue bien, Mao sustain. Et c'est vrai que Xin, logiquement, est censé prendre le dessus contre Rammus, en tout cas en early game. Donc ça pourrait se retourner contre moi. Bonne connexion, Dogby, je crois. Je crois aussi. Ah. Je crois aussi, je crois aussi. C'est Loramus hein, qui a une connexion du Kazakhstan. Là, je sais pas ce qu'il a fait, il s'est perdu, mais voilà, il va gérer la game. De toute façon, il a Loramus des lames. Donc, ce qu'on va faire hein, globalement, c'est que bah, tu me contentes un petit peu de. Tu me commentes, pardon. Tu me contentes.
Tu me commentes un petit peu ce qui se passe sur Talen, ce que tu vas faire. Quand t'as des petits coups d'instinct comme ça, des petits coups qui viennent, bah, comme tu l'as décrit tout à l'heure, n'hésite surtout pas à me couper la parole. C'est vrai que bon, le early game, on va pas te voir beaucoup. Je suis désolé, mais moi je suis en bas. C'est les viewers qui en ont décidé ainsi. Voilà. Je pense que tu as. Il est marrant ce Timote. Moi je fais quoi moi? Moi je mets des coups d'épée. Donc voilà, donc là, globalement ça a streamhack, donc je vais me taire. Il y a un blitzcrank aussi, donc... Il y a un blitzcrank en plus. J'ai pas envie de me prendre le gras, hein. Ça va arriver, donc actuellement on est au loup, hein, évidemment, puisque Ramust start au bleu. Et puis il pourra aller, donc il va faire un smiteless bleu, donc Dogby va arriver top avec un petit peu moins d'HP. Ce sont des choses qui arrivent, mais voilà, donc... Je vais lui prendre le bleu de toute façon, je crois. D'accord. Et ben voilà, Dogby a annoncé, il va lui prendre le bleu. Je vais essayer de pas lui prendre trop de loups, essayer d'éviter de lui en prendre deux. Les loups ont changé d'ailleurs dans League of Legends, ceci ça s'appelle des loups maintenant. Et ils ont été sympas en face, je trouve, mais attention parce qu'il y a un truc qui me dit qu'à mon avis ils sont 5. Ils sont là, moi à mon avis ils sont 5 quelque part. Donc là t'as un petit peu serré les fesses. Je colle les murs, je serre les fesses. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, le post top c'est vraiment le mental qui joue. Et donc c'est tant mieux, hein, d'avoir cette petite pression. Ça aide beaucoup. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup avec Jace, hein, c'est vraiment c'est un héros dynamique, hein, vous l'avez vu durant le replay. Et beaucoup de mobilité, il a besoin d'avoir une bonne vision de jeu en ce qui concerne son poke, il a quand même des grosses ranges, donc la vision de jeu est très importante. Beaucoup de mobilité, il peut vraiment passer de phase agressive à phase défensive en un rien de temps. Et c'est vraiment les points positifs de Jace. Point négatif, son sustain qui est vraiment dégueulasse, et le fait qu'il n'ait pas de réel CC et qu'il soit vraiment très très fragile. Pour moi, c'est vraiment les trois points négatif principal de Jace. Alors que sur la botlane, j'ai testé un petit peu les réflexes du Blitzcrank, j'ai pris un premier grab histoire de voilà, de le chauffer un petit peu quoi, c'est l'entraînement des gardiens la botlane. C'est bon. Alors on voit que peut-être quelque chose va bien se passer top. Et non, parce qu'il l'a senti arriver ou alors il a un instinct. Je ne sais pas. Il n'a pas de ward, donc c'est l'instinct. Attention, Yorick. Fuis, trop tard. Le Ramus est déjà en boule. Alors voilà, il y avait aussi le Xin. Donc toujours focus la personne qui a les double buffs en phase. Voilà, on flash juste après. Je meurs pas. Donc je l'avais dit, hein, ce fameux 2v2 qui aurait pu être à notre avantage s'il y avait le bon focus. Toujours focus la personne qui a double buff en phase de laning. C'est parce que c'est le plus gros danger. Toujours évaluer la source de danger principale. Et la source de danger, c'était vraiment le Xin Zhao. Mais au final, personne n'est mort, donc ça fait un flash pour un flash. Flash de Xin contre mon flash, donc tout va bien. Et non, Blitz, ceci ne se passera pas. Par contre, tu vas prendre la sauce. Oh, le first blood de Jack. Like your boss. Allez. Je suis désolé. Je suis désolé, mon petit Ez. Je suis désolé, c'est trop de puissance d'un coup là, ça n'a pas. Donc voilà, donc notre team commence bien, on a le first blood, donc Ramus, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bien sûr la botlane, on va les crush. Donc voilà, donc là où on va vraiment devoir jouer toi, ça va être la phase de teamfight. Hein. Vraiment là où on verra bien ce que tu fais. On va essayer de pas déblatérer trop de conneries pendant la phase de teamfight quand même. Et j'espère en tout cas que nos petits joueurs sont contents de jouer contre toi. Alors, on n'a pas parlé beaucoup du skill order, je t'interromps. Tout à fait. On a oublié que ce petit point là. Alors Jace, faut pas forcément prendre le Z dans les premiers niveaux. C'est un peu comme Ezreal et son fameux son Z aussi. Faut pas le prendre au début. On peut vraiment maxer le A et le E. Et on le prend le Z que quand on est obligé. C'est vraiment très sympa. En tout cas pour les trades, ça aide beaucoup. D'accord, et on l'a vu de toute façon dans le replay, il me semble que t'avais 4 points dans le A et 2 points dans le E. Ah, bien joué ça. Donc voilà. Comme tout à l'heure, le moment où je vais warder, il y a le petit Xin qui m'attend. Ah, attends, je me doute un peu, j'allais me faire croire. Mais c'est plutôt. Ils ont bien retenu la leçon, hein. Ils ont vachement bien retenu la leçon. Eh, franchement, respect. Donc voilà, le gang t'allais warder et finalement, non. Donc nous, botlane, je dois dire que ça se passe très bien, donc pour l'instant je regarde ce qui se passe top et je me cache derrière les creeps, jusqu'à ce que les creeps meurent, comme ça je me fais pas grab. Mais comme la game sur replay, je me fais camper mais je garde cet avantage au niveau du farm. C'est vraiment ça qu'il faut garder en mémoire avec Jace. Et le fait qu'il perde un petit peu de temps le Xin au top, ça permet au Ramus lui de farm. C'est vrai que là c'était assez prévisible hein, que tu te fasses camper quand même.
On n'est pas devin, mais c'était assez, assez certain. Donc voilà, on va voir comment tu réagis. Je pense que tu vas réagir comme dans le replay. Et comme tu le disais, bah, tu gardes toujours cet avantage au farm, quoi. Donc très même important, si tu meurs, l'avantage au farm est conséquent. D'ailleurs, je pense que tu connais un peu, comme tous les très bons joueurs, l'équivalence en termes de farm par rapport à un kill. Qu'est-ce qui vaut un kill? C'est à peu près 20-25 CS, ça s'équivaut à un kill. 25 CS d'avance, c'est comme si on avait un 0 sur la lane. D'accord. Ouais, donc c'est pas mal. C'est pas mal du coup. Donc le farm, important. Puis bon, le farm, ça vous évite de prendre trop de risques aussi. Donc nous, on est bien gras, on focus bien. Focus bien Blitz en face. J'aime pas Blitz, je suis désolé, t'as pris Blitz, moi je tape dessus, hein. Je cherche pas à comprendre. Plus j'ai un First Blood. Pour l'instant j'ai pas back d'ailleurs. Alors j'ai plus de Yorick au top. Oui, le Yorick a disparu. Non, ça y est, voilà. Il est revenu. Et il était en train de faire un plan avec le Xin. Ouais, je crois, ils sont partis se capter au niveau des golems. une stratégie. C'est exactement ça. Allez, flash, Blitzcrank, flash, va-t'en. Allez, S, je suis désolé, je te laisse. J'ai un truc important à faire, il y a un mec qui veut me vendre des trucs dans la base. Il m'a dit qu'il y avait des trucs super cool. Donc j'y vais. Puis qu'est-ce que je vais acheter aussi? Bon, on va garder ça, c'est bien. Je vais acheter des bottes. Voilà, alors. Ouh, mon ami est top. Encore? Eh ben, là c'est plus de la camp, là c'est du harcèlement. Attention, non, on a l'habitude. On va avoir des procès pour ça, hein. Donc le Xin qui n'arrive pas à gank, apparemment, ça se passe bon, non, il là, a réussi. J'ai mis deux wards, je tryhard. C'est bon, ouais. Allez, Dogby, il est chaud, tu devrais en mettre une dans le tribush au cas où le Xin a envie de se téléporter dans ta tête depuis le tribush, je ne sais pas. C'est mais regarde, tu as des teammates qui sont très coopératifs, des gens qui viennent jusque sur ta lane pour t'aider. Donc voilà, rien, le Yorick. Bon, oh là, voilà, bah, on a vu. Mec, t'es passé à la télé, c'est bon, y a pas de problème. Le move était là. Par contre, Yorick. De la Katarina, quand même. Yorick, il l'a pas vu, ça, par contre. En fait, c'est ça qui est bien. En fait, quand on est en train de se faire agresser par quelqu'un, on n'a pas forcément le réflexe de regarder autour. Et donc, Jace, c'est un peu vicieux, mais Jace, il peut te mettre des coups de canon dans le dos et ça, faut savoir vraiment l'utiliser. Et tu l'as d'ailleurs très très bien utilisé. Donc là en l'occurrence, regarde, tu viens de tuer le Yorick. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, vu que le Yorick est là, vient de mourir, est-ce que tu préfères push, hard? Ah oui, alors là tout à fait. Une fois qu'on tue son matchup, il faut push pour vraiment prendre l'ascendant. Là il y avait la Harry, donc j'avais pas envie de lui donner le farm. Je la laisse partir, elle pense que j'ai back. Et là voilà, je push. Et le sbire va soit s'écraser sous la tour, soit c'est Xin qui va venir le récupérer. D'accord. Donc comment utiliser le fait que ton matchup est mort pour pouvoir push. Attention d'ailleurs. Je donne des indications parce que je vois aussi, il y a la Harry qui te monte sur le nez. Oui, ça c'est pas très grave. Là. Je fais semblant, je n'ai pas l'information, mais Benoît n'a pas de la Katarina. Oui. Et voilà, on fait le petit push et on va backer. Comme ça, Katarina push son mid, moi mon top est push, et là la Harry perd du temps. Et tout à fait. Et du farm, puisque la Katarina avait très bien, très bien push mid. Donc les creeps étaient sous la tour. Donc voilà, en même temps de vous apprendre Jay, ça vous apprend un petit peu à jouer sur le top aussi. Je pense que ça peut être pas mal. C'est vraiment basé sur, pour moi, c'est vraiment le poste mental. C'est vraiment, il faut être patient, il faut savoir serrer les fesses quand il faut. Il faut prendre des risques, donc avoir les balls aussi. Donc pour moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce poste, dû à ça, au fait que ça soit très, très complexe à gérer. Beaucoup d'informations à gérer en même temps. Mais franchement, c'est très, très, très intéressant de jouer top. Ça apprend beaucoup, beaucoup sur le jeu, en tout cas. Et ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes aussi. Tu nous fais quoi, là? Ah mais, attends, regarde, ils ont arrêté de te camper parce que ça devenait trop dur. Alors, ils sont partis sur moi, maintenant. Allez-vous-en! Voilà, 4 bots. Ça me permet de bosser un peu sur moi. What the fuck, Dogby? T'es en train de nous dire que jouer solo top, en fait, c'est toute une spiritualité, quoi. C'est un état d'âme. C'est carrément ça. Soit on est fait pour, soit on ne l'est pas, mais c'est vrai que solo top, ça. C'est pas comme Kariadé. Moi, j'aime bien charrier les Kariadé. Et moi, je joue support. Voilà, c'est tout. Et support, c'est le mental aussi. Regardez, par exemple, j'ai oublié de mettre ma ward parce que j'étais en train de discuter avec toi de choses hyper intéressantes. Et du coup, je me fais enculer par Ez, quoi. C'est. Faut le mental aussi quand on joue support.
C'est comme ça. En tout cas, là, c'est entièrement ma faute. Donc, tu as intérêt à gérer ta top lane, tu vas devoir nous carry, je te préviens. Oh, J'ai sans pris. problème. Oh, attention, petit taunt. Donc, ouais, qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? Je voulais dire un truc, c'était vachement plus intéressant que ce que je suis en train de dire. Ah oui, on va regarder ce que t'es en train de faire. Donc là, tu peux pas le battre. Donc, tu t'en Non, mais là, vas. il a plus de flash là. Moi, j'ai gardé mon flash un peu comme tout à l'heure où je fais utiliser les summoners à mon adversaire parce qu'il pense avoir le dessus. Et au final, bah, au fur et à mesure, je vais récupérer ce petit avantage. Donc là, s'il fait l'erreur de ne pas back, il devrait mourir assez rapidement. Voilà, plus de ward Blitzcrank, plus de ward. Du coup, la bot lane se passe, ça va, Imhotep, le S est pas mal. La top lane, on va regarder le farm quand même, parce que c'est important de suivre ce que tu fais. Donc t'es à 93 CS, Yorick est à 45, t'es en train de Le l'enterrer. système de push, hein, vraiment de pusher très très. Donc là on voit le petit Q qui passe, focus sur le Xindao, très très bien réalisé de la part du Rammus, on tape au maximum, on prend le kill, le swap de stance, on rate pas le Q spell, je viens de le rater. Petit décade là, Harry qui nous pique un petit peu. Je suis caché. Alors, on est venu me chercher jusqu'à dans le bush. Bon, au final, voilà, petit dégât de Larry qui a fait la diff, mais bon taf du Ramus. Donc, encore une fois, ça fait perdre du farm au top. Parce qu'il vraiment, il reste entre ces deux tours. Donc, il profite pas de ma mort. Elle joue bien cette Katarina. Elle a de bonnes idées. Mais Larry décale bien. Ouais. Mais c'est vrai que Larry joue pas trop mal aussi. Il y a du niveau là, il y a du niveau, ça fait plaisir. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, bah nous, botlane, c'est un petit peu mine de rien la galère parce que je regarde plus ce que tu fais toi que ce qu'on fait nous. Donc c'est vrai que. Mais bon. Les viewers avant tout. Celui qui m'a forcé à jouer support là dans la game, et ben il subit. Il subit. D'ailleurs, Ez me dit 99 à 69. Donc oui, en Oh, fait, vous ça êtes va. plutôt bien. Vous Ça êtes va plutôt carrément. bien. J'avais pas regardé les CS. Mais on est plutôt pas mal en fait. Oh, ça pink top! Méchant ça! Oh, elle a pris tellement cher! Nice! Oh, nice! Attention, grave, mon petit aise. Donc, vu que Xin a l'air de camper top, je me suis dit, on va peut-être faire une petite agression à chez Oum. Lead, c'est pas très frais. Je risquais rien puisque j'ai atterri derrière lui en fait. Donc, c'était pas mal. Shutdown, donc tu nous prends un petit kill sur la Harry. Qu'est-ce que tu nous as fait comme sournoiserie là? Oh T'as fait un non, Dekka mid, là? on a swap lane là. D'accord. D'accord. Donc le swap lane, parlons-en. Là j'ai pris deux niveaux d'avance sur le Yorick, ce qui est quand même assez énorme pour un top lane. Donc là j'ai vraiment pris l'ascendant. D'ailleurs je vais prendre la tour mid. Ça y est, la tour mid est tombée. Donc à quel moment, parce qu'on connaît un petit peu les timers d'une bot lane, les timers d'une mid lane, à quel moment est-il judicieux de supprimer la tour de son adversaire sur la top lane? Logiquement le plus tôt possible. Pour la top lane, il faut vraiment la prendre le plus tôt possible parce que ça nous empêche pas réellement de farm et ça nous permet de pouvoir faire des décales. Donc le plus tôt possible, mais un bon timing, une bonne tour de prise, c'est ouais 13-14 minutes pour pouvoir aller sur un premier Drake. Mais après ça dépend si on a vraiment l'avantage de la phase de lane, si par exemple on a un TF avec nous, quelque chose qui décale bien. Là, on peut essayer de faire durer la phase de laning, juste prendre le farm. Ne pas taper la tour, je pense que tu l'as vu quelques fois passer derrière la tour, prendre encore une vague supplémentaire quand on tue son adversaire, et de mettre aucun coup à la tour, parce qu'on sait que cette tour-là, en fait, elle n'a pas d'importance, parce qu'on pourra la prendre dès que bon nous semble, et on préfère accentuer l'avance qu'on a sur notre top lane. Donc ça dépend vraiment des match-ups, des games, il n'y a pas vraiment de timer exact, mais si on peut l'avoir avant les 15 minutes, c'est toujours bien pour un dragon. D'accord. Question imposée, vous avez swap lane. Là, Harry, si vous swappez, ne te posera pas de problème à toi. Bah, sur ce coup-là, non, mais maintenant que j'ai récupéré le shutdown, etc., je vais remonter sur ma top lane. La Katarina avait pris mon top pour farmer, donc c'est pour ça. En fait, c'était un swap un petit ouais, peu. Oui, c'était temporaire. Quoi. Vous avez pas décidé de swap la lane. Oh là là. Et elle est sauve. Nous sommes trop bons les amis, nous allons monter une 5v5 et remporter le championnat francophone. Sachez le Dogby, tu quittes GSU tout de suite. J'ai besoin de toi. Donc là, bon,
Est-ce qu'à un moment donné, je pense que c'est logiquement quand tu auras pété la tour, tu vas te mettre à roam un petit peu, peut-être qu'on aura l'occasion de te voir botlane, ou là tu vas vraiment attendre la fin de la Alors phase de botlane c'est assez l'ennemi. chaud pour un Oui, top d'aller tout créer un à jungle fait, oui. bot. Des decals mid c'est probable quand on a la lane push et qu'on a du CC au niveau de la mid lane. Là c'est Katarina donc c'est pas très conseillé. J'aurais plutôt souhaité le contraire, hein. Il y aurait eu Katarina en face et Ahri avec moi. Ça aurait été envisageable de faire un petit decal mid pour vraiment donner l'avantage, une fois qu'on a l'avantage sur la top lane, de donner l'avantage à la mid lane. Et aussi pour les dragons, hein, vous inquiétez pas, si y a un dragon qui s'engage, je serai là. Actuellement, il a déjà été fait. Oui, tout à fait. Le Drake qui était fait. Attention, attention! On a beaucoup trop avancé, Aise! Mais moi, je suis vivant. Je vais vivre. Je vais vivre comme Faudel, pareil. Mais je vais mourir. Malheureusement, voilà. Donc là, on s'est beaucoup trop avancé. C'est une petite erreur, mais c'est pour le challenge, j'ai envie de dire. Bah sans. Voilà, il y a le Drake. Donc ça aurait pu être risqué s'ils auraient eu le timer et ils seraient partis dessus. Mais sans réel Drake, c'est pas très très grave. Donc là, vu qu'il y a le Drake, je prends la tour. Et là, je vais commencer à venir. Parce que d'avoir son solo top au Drake. D'ailleurs, ils sont déjà en train de l'engager. Bah oui, tu l'auras dit, évidemment. Il a juste. Je sais pas si t'as regardé, il a enlevé la ward ou il l'a commencé. Non, elle a failli de la ward. Et il Ok. vient de Ouais, commencer donc il était en train de non, le il vient de faire. commencer le Drake. Il était tout seul dessus. Sûr et certain, il était dessus. On voit le Blitzcrank à côté, mais normalement, il devrait se le farcir tout seul. Ouais, là c'est bon, ils l'ont déjà terminé, c'est dommage. Ils ont eu un bon timing. Ah bah oui, et Ce puis on Drake là, a. normalement, était vraiment pour nous. Si vous Ah n'avez pas oui, tout à été un fait. petit peu trop avancé bot, logiquement, ce serait regroupé à 5. Et là, vu là, on a des 3 T1. Donc là, ce Drake, normalement, ça c'est une erreur de notre part. Mais ce Drake là aurait dû être gratuit pour nous. Ce qui fait que là, on a plus d'objectifs, on a nos lane push. Voilà, on va vraiment être ensemble, se regrouper. Ça va être un. Là, c'est un mauvais moment à passer. Autant Oui, c'est qu'il y ça, ait d'autres parce que objectifs qui arrivent. en général, ce qui se passe dans ces moments-là, tout le monde prend le farm de tout le monde, c'est. On va tenter des choses qu'il faut pas, ça va avancer trop et ça va se retourner. Là, ça peut se retourner contre nous, le moindre risque. Dans ce moment-là, il faut juste bien farmer et bien warder surtout. Avoir un contrôle map irréprochable, vu qu'on a pris toutes les tours. C'est bon, bot lane c'est irréprochable, nous ne risquons rien. Quelques wards. Coucou Blitzcrank. Alors du coup. Moi sur la map que notre petit doigt de biche dirige vers la mid lane. Donc Harry, je serai toi, me barrerai loin. En plus, je suis parti full stuff AD, hein, comme je vous l'ai expliqué. Allez, faut y aller, il y a le Rammus qui a suivi. On met le petit portail, Oh tranquillement. là là, ce Rammus, quel titan! Bah ça c'est du travail. Oh, je l'ai touché avec le bout du bout! Du bout, Et attention parce que ça arrive! bam, moi. Qu'est-ce qu'il a toi? Et bah non. Ok. Alors là, faut tu fight, là faut tu fight. Hop. Je peux pas se parer. Aucune possibilité. Et voilà, très bien. On peut prendre la tour là. On est tous les 5 là. Il y a 3 morts. Au top, ça push. Larry n'est pas un réel danger. On se focalise sur les objectifs. On crée un trou bot lane. Très intéressant de faire ça parce que c'est le côté opposé du baron. Et donc, pour préparer les barons, c'est vraiment parfait d'avoir la bot lane pushée. Larry n'est pas un problème. On peut la tanker cette tour. Voilà. Très bien joué. Bon travail d'équipe. Hein. Le Rammus qui a vraiment fait un bon décal. Ah, le décal était parfait, très bien timé, on le tient aussi. Maintenant, voilà, il y a quelques risques en faisant ça, c'est de perdre beaucoup de farm, mais bon, on vient de prendre la tour, c'était complètement worth it, je pense. On va dire Parfait. autrement, donc voilà, Oh le Ez, il est sneaky. Mais non, Dwagby avait les home guards. C'est le respect, ça. C'est les anciens. On laisse le farm aux anciens. Non, il aurait pu le prendre. Il aurait pu le prendre. Là, à ce moment-là, c'est pas dérangeant. Il n'y a pas de réel objectif. D'ailleurs, tu as complètement atomisé le Yorick, tu as le double de son farm quand même. Bah, c'est vrai que Keurig, c'est pas trop en forme en ce moment. C'est très très dur pour lui de farm déjà de base. Donc en plus contre un match-up agressif, je comprends un petit peu qu'il soit un petit peu à la traîne comme ça. Ouais, c'est vrai que j'ai quand même x2. Bon, il y a sûrement aussi un peu l'expérience de jeu. D'ailleurs, il y a une chose dont on n'a pas trop parlé, et c'est vrai qu'il faudrait quand même mettre le doigt dessus un petit peu. Est-ce que Jayce a des counters? Vraiment des match-ups sur lesquels il se fait hard arracher les fesses. Son avantage, hein, je le disais. Alors juste attends, il y a un petit move mid. Sans grand danger, ouais, juste dépush la lane. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment la capacité de Jayce que je parlais au tout début, c'est qu'il a très très peu de réel counter, et même s'il se fait counter par certains héros, bah
il a toujours cette possibilité de farm à distance. Donc, d'un côté, c'est bien. Le réel counter que j'irais à Jay, c'est vraiment la irré. En fait, c'est tous ceux qui ont la capacité de swap après. La rock est partie. Cette capacité de swap après le knockback de Jay, donc une fois qu'il a mis son petit coup de marteau. Donc là, on peut teamfight, hein. On est vraiment bien placé. Le petit poke avec le Q spell. Ramus là qui est parti chercher la Harry ou la H, il a raison. Ouh, beau grab de la part de Plus Frank. On devrait se retourner, il faut plus. Mieux jeu droité. Évidente. La hache qui est très très mal placée. Et on va kiter au maximum. Rester proche du Ezreal. Ah, ça va être intéressant. T'as plus de mana là. Donc, hormis le fait que j'ai tout raté. au niveau de l'ulti, Dieu. J'ai pas eu l'occasion de. Oh, du reste. Bah, si, mais en fait, Ash, je pensais qu'elle me voyait arriver et qu'elle allait se barrer, donc je vais flash in dessus pour l'ulti plus loin. Mais non, pas du tout. Elle m'a vu arriver, elle a fait, attends, elle m'a tapé dessus, quoi, normal. Donc c'était nul. Et du coup, derrière, bon, est-ce que tu penses que si j'avais pas raté tout ça, on gagnait le teamfight ou est-ce que là, on a vraiment fait une autre erreur? Non, mais on a gagné le teamfight là. Bah, là maintenant oui, parce que voilà, ils ont fait un petit peu des choses, mais tout de même, sans cette fin là, on dit oui, que non, là, ça n'existe pas. Là logiquement ils auraient dû partir. Quand tu regardes la map, on a 4 tours, ils en ont une. Franchement au niveau des golds, hein, au farm je lui mets x2, on a facile 5 voire 6k d'avance. Et encore je suis peut-être gentil. Donc logiquement on a aucune raison de perdre un teamfight, là c'est juste ouais peut-être un manque de coordination. Il y a eu un très très beau grab de la part du Blitzcrank. Oui. Donc qui a empêché le Ramus de taunt. Donc ça a y joué beaucoup, hein, donc belle action de leur part aussi. Hein, parce que gagner un teamfight avec un aussi gros écart de goal, ça montre qu'ils ont quand même fait un bon teamfight de leur part. Ils ont vraiment eu les bons focus et donc ça doit être juste ça. Et après aussi il y a le fait que t'aies raté ton ulti bien évidemment. J'ai rien raté du tout. C'était une technique. Ancestral, une spéciale tactique. En fait, tu rates l'ulti de Leona, comme ça tu perds le teamfight et puis voilà. Puis tu forces l'erreur derrière pour que je passe pour un ange à faire un double kill derrière. C'est okay. Ça, c'est ça. C'est écrit. C'était écrit. C'est pour que tu montres un petit peu qu'avec Jayce, il faut jamais back. Never. Ah mais t'as raison de le souligner parce que ça reprend ce point-là. Le fait de ne pas back, même si on est en difficulté avec le Ezreal, on était 2v2. Oh Ramu. Oh, on est plutôt bien là, on est tous les 5. Allez, faudrait y aller. Belle initiative du Ramus. Eh, je tank. Vas-y Ramus, envoie des 6 sur tout le monde. Ah, là, c'est la boucherie là. Oh, ah non. Eh oui. Un peu tôt. Je voulais le penta donc j'ai flash in mais en temps normal j'aurais pas dit. J'ai entendu double kill, j'ai dit ah c'est penta. Et bah non. La Harry qui m'a recalmé un petit peu. Elle t'a sniped, elle t'a eu. C'était bien, bien joué. Tu t'es un petit peu trop avancé évidemment, hein, comme tu là, dis en temps normal, tu ne serais pas allé aussi loin. J'aurais pas flash pour tuer Lexine en fait. Je voulais pas les kills à Ezreal, je voulais que ça fasse penta et. Et bah non. Mais bon, ouais, moi j'ai un petit peu occupé tout le monde. Cette fois, mon ulti est un peu moins raté. J'ai trouvé deux personnes dedans. Je me suis fait grab par Blitz par contre de l'autre côté. Mais du coup, ça les a occupés. Ça vous a permis de tranquillement défoncer Yorick. Donc c'était un mal pour un bien, j'ai envie de donc, dire. Donc, l'écouteur pour en revenir à Jace. Alors, on a Yorick qui écouteur bien Jace, mais c'est vraiment une question d'out-sustain. Donc, ça demande vraiment une bonne expérience du match-up, une bonne expérience du jeu. Donc ouais, Yorick est un bon counter, mais après comme je t'ai dit, c'est vraiment les héros qui ont la capacité de revenir après l'agression de Jayce. Vous savoir qu'une fois que Jayce a tout lâché, il a plus rien pour faire des dégâts. Il est vraiment très dépendant de ses skills. Donc Irelia qui peut dash juste après, Wukong qui peut dash juste après, Jax qui peut dash juste après. Jax c'est différent parce que Jayce peut vraiment temporiser son coup de marteau au moment du stun. Donc non, je dirais pas Jayce, mais Irelia, Wukong, Yorick sont des bons counters à Jayce grâce au sustain. D'accord. Et grâce à la possibilité de répondre à l'agression. Parce que la vraie difficulté, c'est qu'il faut lui envoyer des dégâts au Jayce avant qu'il ne vous en envoie. Oui, c'est ça en fait. C'est les agressions de Jayce qui sont assez infâmes avec le coup de marteau à la fin qui en fait annihile complètement toute possibilité de réponse. De réponse, hein. Vous
faites votre petit combo, hein, QE, enfin Q, jump E, blabla, une auto-attaque quand même parce qu'il faut déclencher le passif, sinon ça sert à rien. Mais derrière, à cause de ce KB, ben, le mec en face qui se dit « Attends, comment ça tu me tapes dessus, t'as plus rien, je vais te latter. » Et ben finalement, il peut rien faire, quoi. S'il a pas un dash, comme l'expliquait Dogby. Donc, par contre, les héros, au contraire que Jace peut bien gérer, c'est tout le contraire, c'est les héros qui ne peuvent pas répondre. Donc Darius, qui lui a besoin d'avoir sa cible corps à corps, par exemple Jax, dont Jace a la capacité de pouvoir vraiment temporiser comme bon lui semble. Shen aussi, Jace counter très bien Shen, parce que Shen ne peut pas TP ailleurs, et au niveau des agressions, c'est juste insupportable pour un Jace qui lui déjà a du mal à faire des dégâts à une cible. Alors si en plus de ça... Allez, je me rate pas. Boum. T'en as eu deux pour le prix d'un en plus. Ouais, le Xen il a dit moi aussi j'en veux. Un bonbon. Eh ben non. Ah, c'était pour les creeps. Dis que c'était pour les creeps. Non mais c'était pour les creeps. Il y a cette capacité à Jay de lancer le A avant de mettre le portail. Ouh, bien joué. Là ça nous force à y aller. Protège, on fait le rôle de tank. On cut back, on kite ensemble. Encore quelque chose à faire là. Pas dit mon dernier mot. Toi tu toucheras pas. Par contre là. Là tu risques de mourir parce que Ez il a envoyé un ultime et il est aux abonnés absents quand même. C'est pas sûr, c'est pas sûr que je meurs si j'arrive à éviter le cœur. Hop, hop. Allez, je reste Jace. Allez, Jace. Cours mon ami. Non. Et voilà. Non, il y a des choses que même un Jace ne peut pas faire. Mais ouais, donc là en gros c'est le grab de Katarina. On les a quand même bien défoncés. Et là j'ai mis un bel ulti, mais on est peut-être 5v4, on est quand même bien tiré. Hein. Mais là j'aurais pas voulu protéger le Rammus en tuant le Yorick, je serais pas mort, mais Rammus serait mort. Donc, Donc voilà, j'ai fait le super héros. Super héros. Super. Je suis parti sur un stuff vraiment full AD, sans faire la tire parce que j'ai pas eu de difficulté en lane, alors que la game sur le replay j'ai eu une difficulté en lane, donc cette tire nous permet de vraiment pouvoir spam nos spells. Là j'en ai pas forcément besoin, c'est pour ça que tu vois souvent OOM, enfin sans mana. Mm-hmm. C'est ce manque de la tire qui est vraiment efficace, et là maintenant je vais partir sur une fameuse Warmog. Donc premier item défensif juste après mes 3 items offensifs minimum. Premier item défensif mais le meilleur, Warmog au pire. Warmog c'est... Ce Val pour moi. Bah je sais pas. L'ange gardien, le problème, c'est que si t'es super squishy à côté, c'est ce que je dis tout le temps à mes viewers, après je dis peut-être des conneries, hein, ça m'arrive, mais l'ange gardien c'est bien dans le sens où ça dissuade quand même les mecs de te focus, puisqu'ils vont devoir te tuer deux fois, donc c'est certes, cet impact psychologique est pas mal, ça te permet aussi à toi de tenter des trucs que tu tenterais peut-être pas sans savoir que t'ingères. Après, niveau stat défensif, ça donne quelques armors, quelques MR, rapido, hein, c'est pas non plus la grande joie. Et surtout, si t'es super squishy et t'as vraiment zéro item à côté, je trouve que un GA, tu te fais attraper, tu meurs quand même, et après l'item est plus utilisable pendant quelques minutes. Je trouve ça un petit peu dommage, alors qu'une Warmog t'en bénéficie quand même tout le temps. Le burst qui t'aurait tué lorsque t'avais un GA ne te tuera plus. Enfin, je sais pas, pour moi je trouve que la Warmog actuellement, vu le prix qu'elle coûte, elle est vraiment au-dessus. Après ça dépend vraiment des configurations contre des héros Big Burst comme Z, des choses comme ça, où là les PV sont prioritaires au résist, je comprendrais. Mais là contre leur composition qui est vraiment basée sur la durée du teamfight, l'ange gardien peut vraiment les dissuader un focus comme tu dis, et ça me permettra de pouvoir aller plus dans le tas, prendre plus de risques. Et c'est vraiment ce qui est intéressant, surtout à ce timing de la game. Arriver en late game ça se vaut, mais aussitôt dans la game un petit GA ça fait pas de mal. Mais c'est vrai que là, j'ai préféré prendre la Warmog. Ouh, la Katarina. Katarina, you crazy! Plutôt. Hey Dogby. You and me against the world. Mais on s'en va pas pour l'instant, on va le faire. Mais non. Ah non, il y avait Ez aussi, il s'était échappé, il s'était caché dans le coin Ez, j'avais pas vu. Si tu te sens chaud. Ah, ils ont back. Eh oui, ah, ils ont back. Évidemment. Pas ah, là, il va être trop, c'est un petit peu risqué. Ouais, trop et trop full vie.
Ah, moi, ah, je vous conseille pas de rester. Non, ils ont pas back, ils ont pas back. Ah, chez les MIPV. Ah, ça y est, il y a le home guard de la Harry qui arrive, mais il s'est pris un tellement gros procphage, mais gras, quoi. C'est genre, le procphage de l'unique Q que S va lui mettre pendant les 5 prochaines minutes. Mais non, voilà, il en fallait un, et c'était celui-là, et il était phage. NP. On devrait se focaliser sur des objectifs beaucoup plus à portée main. Donc le dragon, là, qui est easy à prendre, c'est de forcer un teamfight. Après, bah, si tu te sens chaud, tu nous prends un petit oracle, et on va en achat tous ensemble pour essayer de tuer la game. Alors, j'ai fait une petite technique de ninja, là. Donc vous avez pas... Je pense que vous avez bien vu, toi, Dwight, je pense pas que t'aies vu. Zone d'ombre. Ouais, je me suis caché là. Ah, il y a une Léona. Go. Mais pourquoi? Ah, on va fight. On va se battre. La bagarre. Hop, 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 hop. Faut protéger. Moi, j'aurais bien aimé attraper la hache qui était quand même relativement près, mais dès qu'elle nous a vu arriver, elle a fui. S'est enfui. On fait peur, on fait peur. Là. Ah, tu fais on a peur. L'inhib opposé à prendre quand on a une idée de prendre un petit baron derrière. Oramus, tu es beaucoup trop chaud, Oramus. Pourquoi pas? Ouh, je crois que. Non, elle m'a volé mon key, j'avais mis l'Ignite en plus, je tryhard. Alors celui-là, je le prends. Et j'ai failli l'avoir avec mon Z. Portail, il faut s'échapper. Hop, 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 hop. Alors il me veut. On peut prendre la tour, hein. On est quand même 4, elle est toute seule. On est méchant quand même parce qu'on tryhard. Ah, non, ouais. Moi non, je t'invite à lui sauter dessus. Gros tryhard. Hein. Oh oh, je crois que tu m'as emmené à la mort. Là j'ai rien fait, moi regarde, je suis à côté de la tour. Tranquille. En fait, je suis allé en pensant que ton E passait, mais c'est my bad. C'était une feinte, c'était le bait de l'année. En haut, le Ezreal il nous aime pas. Hein. Et il a pas envie de jouer avec nous. Non, non, non. Il a bien farm quand même, le Ez. Il a pas perdu son temps. Il est quand même à 250 CS. Un peu comme. Bah, il est comme moi. Contre 153. Hein. Il a quand même 100 CS de plus que la hache. Donc, il perd pas son temps. Il est à côté, mais il farm. Ah, oui, oui, non. Le Ez, voilà. Il joue pas trop avec nous, mais au final, il joue pour la game quand même. On sait qu'à un moment donné, on l'aura en teamfight avec nous et qu'il va se passer des choses. Donc, ça va. Ça va, ça va. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oui, je te vois, Dogby. I see you. Alors, où t'en es, toi? T'es mort encore? Là, tu meurs longtemps, hein, espèce de level 17, hein. La vache, quoi. C'est long. Très très long de revenir. Allez, fallait défendre le petit baron, là. Ah, mais ils sont dessus, en plus. La bande de petits sneaky. Vas-y, Ramus. On a toujours pas envie de venir avec nous. Believe in you. Non, c'est bon, tu peux t'en aller, Ramus. Le baron il est trop. Putain, ils ont pas de DPS, quoi. Mais Ramus, il est là, il tank. Hein. J'arrive, Dogby. Oh. Ah, oh, failli steal. Il a tenté de le steal, mais je pense qu'il aurait été là. On aurait pu vraiment le défendre à 5. Je suis en train d'arriver, je me fais slow. Évacuer le navire, hein. Et ça pique. Il prend tellement rien, Yorick. Sorte de machine. Et regarde, franchement, il a juste une Warmog. Et Warmog hein, et un Atma. Et un Atma. Donc, est-ce que tu as pris des kills pendant que j'étais en train de me faire chasser Ah ouais, on a fait le taf avec Ezreal. Toujours en protection de mon carriadé. Il a tué le Blitz. Qui s'est un petit peu trop avancé. D'accord. Là, on va faire gaffe, hein, ils sont en train de remonter petit à petit avec du Nashor. Donc, d'où le fait de vraiment rester groupé en team. Là, on aurait pris la tour A5 tout à l'heure. On aurait pris l'inhibiteur et ce Nashor était à nous. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut essayer de se focaliser. C'est les objectifs avant tout. Donc, c'est bien qu'ils farment en attendant, mais c'est quand même beaucoup plus rentable de rester avec nous. N'oubliez pas hein, que juste après cette game, après la course pause qu'il y aura, vous aurez droit à un léger question-réponse avec Dwagby. Vous pourrez lui poser à peu près tout et n'importe quoi. Et je dis bien à peu près tout et n'importe quoi parce que je vous vois venir. Donc dans la limite du raisonnable, s'il vous plaît. De toute façon, c'est moi qui filtre les questions. Donc voilà. Ou si tu reçois un MP intéressant, Dwagby,
sur ton IRC, n'hésite pas à faire partager. Mais intéressant, attention, attention, attention. Donc, je vous rappelle également que cette émission est enregistrée. Donc que vous serez à jamais immortalisé dans les vidéos de la MTV2, ceux qui sont dans la game. Pour les autres, tant pis pour vous, vous inquiétez pas. Bien langage là. Ouais, il a eu la hache. Bien réalisé ça. Par contre, Tavares, il faudrait la retuer directement. C'est même en tant que gosse, c'est reste le danger numéro 1. Donc bien joué, hein, Ramus qui a cette capacité à pouvoir engage. Allez, on croit en toi. N'a pas marché. Ma technique n'a pas marché. Mais là, là, ça m'a l'air pas trop mal. Là. Non, là, on va même pouvoir prendre cette tour-là. On peut la tanker, elle a 700 HP à peine. On a encore 30 secondes, hein, là, c'est à la capacité d'y aller avec le Ramus qui peut facilement tanker les tours là, ça devrait tomber assez facilement. Tu t'en vas pas, toi. Et là, on a la capacité de finir. Donc, bien joué à tout le monde, hein. Oui, tout à fait. Une belle game. Ouh. Wow, elle m'a emmené à Beyrouth, quoi. Ça joue le kill. Adieu Dogby, voyons. Cet inhibiteur n'est pas mort, tu viens de scroll, on a perdu les IEM, Dogby, qu'est-ce que t'as fait? Donc voilà, voilà voilà. Donc GG Wellplay, merci à ceux qui ont participé à la game. C'était plaisant de votre part, vous avez respecté un petit peu le but de l'émission. On se retrouve dans une petite minute 30 pour la fin de l'émission avec le question-réponse d'une petite dizaine de minutes. Restez ici et à tout de suite. Focus le Jace de Dogby, je vous ai laissé les stats pendant qu'on répond aux questions. Comme ça, vous pouvez un petit peu admirer le 18-6-14. Tu es mort 6 fois, Dogby, quand même. 5 fois. La dernière ne compte pas. La dernière compte, tu t'es suicidé. Tu en avais marre de cette. Je voulais mourir pour aller acheter mon GA pour les stats, mais j'ai pas eu. Eh ben non. J'étais full stuff. Eh ben non. Voilà, t'aurais pu. T'aurais pu, mais c'était pas le cas. Donc voilà, vous avez les stats. Hein, si vous voulez les regarder, c'est ici. Je vais m'occuper donc de filtrer les questions. Si tu filtres des questions intéressantes, qu'on t'envoie, parce que vous pouvez les envoyer à Entregrochet M Jackie ou à Dogby, tout simplement. Je vais essayer d'en trouver des sympas. Tiens, il y en a une sympa qui est pas très courante. Pourquoi as-tu choisi ce pseudo? Ah, ça, c'est la seule question à laquelle je ne répondrai jamais, malheureusement. D'accord. Les petits secrets. Les petits secrets. Carrément. Voilà, il y a quelqu'un qui me demande si Jace est viable en AD carry. Tu nous as dit tout à l'heure que Jace pouvait faire office un petit peu de deuxième AD carry. Est-ce qu'il est viable en vrai AD carry? Il a pas vraiment ce rôle là. Sa range est vraiment trop légère. Non, je pense pas. Après, on l'a vu à une époque jouer par la botlane Millennium.
C'était dans un cas spécial, c'était Jay Starik qui marchait plutôt bien. Mais en réel AD carry, non, il n'a pas sa place, trop petite range. Et je l'ai dit, hein, c'est vraiment ça, son défaut, c'est sa faiblesse. Le fait qu'il soit vraiment, vraiment pas du tout tanky. Et en plus de ça, d'avoir une petite range, ça c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Une petite question hasardeuse qui est vraie et posée assez souvent. Au niveau de la. On a vu pas mal de monde pendant un moment donné rajouter une glyphe d'AD dans les bleus pour en bénéficier de 16 puisque le jeu apparemment ne tenait pas en compte les décimales. C'est plus à jour ce truc là, il faut pas mettre de... Sur ma page principale Breezer, je l'ai toujours moi cette petite rune. Ouais. Donc quand on a fait la petite page passe-partout, je l'ai toujours sur celle-là. Après sur les autres, je ne l'ai pas reproduite. Mais c'est vrai que même moi je me pose cette question. Donc je l'ai fait aussi. Donc j'ai ces fameux 16 physical dommage, 11 RM et 13 armor, mais je pense que ça a été corrigé depuis et ça arrondit au plus haut. Donc je ne sais pas trop. Certains me disent non, certains me disent oui, c'est une sorte de polémique, il n'y a pas eu encore de réelle confirmation. Donc pour l'instant, moi je la laisse, c'est pas un réel problème, mais je t'avoue que même moi je ne pourrais pas y répondre à cette question. Alors il y a quelqu'un qui nous demande si les runes de pénétration d'armure avec Jace sont viables. On a déjà un petit peu parlé, mais c'est bien de refaire un petit point là-dessus. Alors, ouais, on en a parlé tout à l'heure. On sait que Jace a quand même des gros ratios AD qui sont donc c'est vraiment pour ça que moi je privilégie l'AD. Après, on peut certainement prendre la pénétration d'armure en rouge, mais ça c'est plus viable pour certains héros à burst comme Z, etc. Où là, je pense que de prendre la pénétration d'armure est vraiment très intéressante. Là, sur Jace, je préfère vraiment, vraiment mettre en avant l'AD. Parce qu'il a quand même des bons ratios et son but c'est vraiment de faire très très mal. Et surtout pour l'early, l'AD est plus efficace que de la pénée d'armure. Donc c'est pour ça que je prends de l'AD, parce qu'on sait que Jace a de grosses facilités en early et il faut les utiliser. Donc je mets en avant quand même l'AD avant la pénétration. D'accord. Quelqu'un qui nous demande évidemment, il faut passer par ce genre de questions, est-ce qu'il faut avoir du swag pour jouer Jace? Il faut. Bah, en fait, d'un côté, c'est un héros qui est très dynamique, vraiment très très dynamique. Donc blague à part, il est très très dur à prendre en main. C'est vraiment l'un des héros. C'est un peu comme Nidalee, il faut être dynamique, il faut être très réactif. Il faut faire les bons skills au bon moment, c'est ce qui fait la différence. Savoir quand y aller, quand reculer, il faut se déplacer tout en lançant ses skills, tout en regardant qui est où à quel moment. Donc c'est comme Nidalee, hein. Je retrouve vraiment ce style de jeu avec ce double forme. D'avoir ce dynamisme, on a beaucoup plus de compétences qu'un simple héros, et donc ça, c'est un petit peu ça le rend un peu, petit peu plus compliqué que d'autres héros, hein. Mais c'est vraiment, je vois souvent marqué dans des guides que les points négatifs, c'est qu'il est difficile à maîtriser et très très difficile à prendre en main au début. Donc oui, pour moi, il faut avoir un petit peu de swag, un petit peu de skill pour pouvoir bien le gérer. D'accord, il y avait une question qui parle un petit peu plus de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'il y avait les IEM. Ouais. Est-ce que tu as déjà regardé la game SK Fnatic, déjà, de base? Alors, je regardais en même temps, je faisais autre chose, donc j'ai vu quelques petits passages, mais c'est vrai que c'était quand même une grosse, grosse game très, très intense. Et le final était vraiment magnifique. Le final est vraiment très, très, vraiment magnifique. Et donc, il y a quelqu'un qui part là-dessus et qui pose une question assez intéressante. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un autre joueur de solo top pour parler d'un joueur de solo top. Je vais étendre un petit peu la question. Qu'est-ce que t'as pensé du niveau de Kevin dans les trois matchs qu'ils ont fait? Alors moi j'ai regardé uniquement la dernière game. D'accord. Enfin la game contre les SK. Ok. J'ai pas eu trop le temps, mais j'aime bien regarder les replays moi juste t'as avant de dormir. T'as rien raté, t'inquiète pas. Ça va. C'était la seule game qu'il fallait mater. Ah bah ça va. Mais c'est vrai que Kevin est quand même un petit peu en dessous. Après il est quand même contre Soaz, hein, pour avoir joué contre Soaz à la PGW. Bah, je sais un petit peu ce que c'est. Mais il était un petit peu en dessous au niveau de ses teamfights et de ses placements. Après il a quand même un très très bon niveau. Mais c'est pas après, je pense que voilà, il y a la pression, etc. Il faut être performant sur ces games-là. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc, moi, j'ai plus été impressionné par le niveau de Soaz durant ce match avec son Kha'Zix. Il a fait quelques erreurs, mais il a quand même fait 2-3 petits moves qui ont fait la différence. Donc, ouais. Mais grosse game en tout cas d'Irak. Grosse, grosse game d'Irak sur la dernière. J'ai vraiment bien aimé son style de jeu. Lorsqu'on a tous apprécié. On a tous apprécié Peke avec son
son Kazan hein, aussi, parce que c'était quand même très propre ce qu'il a fait. Moi, j'ai vraiment apprécié le move. Fallait faire. Mais enfin, pour moi, j'ai regardé ce move-là. Kevin avait la capacité de le tuer. Enfin, à mon avis, c'est la pression. C'est vraiment cette pression qu'il devait avoir sur le vocal. Ça allait très, très vite. De l'autre côté, on ne les voyait pas, mais ça peut chier. Hein, ça allait finir du côté SK. Il fallait pas qu'il rate cette hache. C'est vraiment ce. Le problème, c'est que voilà, on va se baser sur ça maintenant et se dire qu'il a fait une mauvaise game à cause de ça. Mais et franchement, ouais, il avait la capacité d'empêcher ce Kassadin de terminer. Et malheureusement, bah, la hache est passée à rien du tout. De toute façon, on a vu la pression hein, quand on a vu Ira qui arrivait avec ses bottes de home guard avec son Shogun. Mais il a foutu un silence, mais dans le vent. Je savais pas s'il avait le croquage à ce moment-là. Je sais pas, même de toute façon, je pense que le croquage serait peut-être pas passé, avec le TP. Enfin, bref, de toute façon, on va pas revenir là-dessus. Le move, vous le verrez, reverrez encore. Mais en tout cas, elle a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. Quelqu'un qui me pose une question un petit peu plus basée sur Jayce, puisqu'on a vu pas mal ce genre de méta utilisé lors des UM pour l'instant. Jayce est-il viable en 2v1 quand ça soit de lane top bot? Oui, Jayce est totalement viable parce qu'il a cette capacité à pouvoir farm à distance et il a aussi de gros dégâts, donc ça lui permet de dépush la vague assez rapidement. Je pense qu'il quand même a besoin d'un petit bleu en début de game. Hein. Donc sa petite technique de laisser le bleu à la personne qui va swap, c'est un peu comme Olaf. Olaf, s'il est bien, on devient, c'est qu'il a sa hache qui dépush très très vite. Hein. Il en suffit de deux pour exploser une vague. Bah, c'est pareil avec Jayce, avec le EA, on peut exploser les trois sbires de derrière. Et avec juste un simple jump et une auto-attaque, on peut exploser la première vague. Et puis on est à distance, donc logiquement, on peut mieux tenir la race de la botlane sur soi, donc oui, pour moi il est totalement viable en 1v2. Alors il y a une question un petit peu plus pas poussée, c'est pas le mot, mais une question un petit peu plus spécifique qui m'intéresse assez justement. Quelqu'un qui demande si quelle forme de Jayce faut-il prendre en teamfight, le marteau ou l'arbalète, parce que lui ne sait jamais s'il faut qu'il reste au marteau ou à l'arbalète. Alors, c'est une bonne question, c'est les deux, mais il y a un ordre pour ça. C'est on engage tout le temps au marteau parce qu'il y a des gros CD sur le E et sur le A. Donc on met le fameux combo move speed pour toute la team plus le A. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on n'a plus rien en forme de marteau, on active le Z ou on ne l'active pas. On passe en forme de canon, pardon. On active le petit Z donc d'attaque speed et on passe directement sous forme de marteau pour que la première attaque plus le bonus part directement. Et là, on envoie bah, le combo auto-attaque, auto-attaque. Si on a besoin du petit knock pour défendre sa team, on le fait. Sinon, on peut le garder pour essayer de finir un kill hein, sur la game qu'on vient de faire là, contre les viewers. Je le gardais souvent pour terminer le kill, pour vraiment assurer le kill. Donc, ce petit knock qui fait quand même beaucoup, beaucoup d'HP. Et après, une fois qu'on a plus de CD sous forme de marteau, on revient sous forme de canon. On a, avec le move speed, on recule en même temps. Donc, il y a vraiment ce petit aspect. Même si on était encore en train de taper, hein, on recule et là on remet un EA et puis après on chase la cible avec le move speed qu'on a placé en même temps avec les petites auto-attaques au marteau. C'est ce qui le rend beaucoup plus efficace. Donc il faut vraiment jouer avec les deux, mais canon, marteau, canon, marteau. C'est vraiment cet ordre-là à respecter. D'accord. Est-ce que tu as des questions de ton côté? Alors je vais regarder ça. Moi, là, pour l'instant, je suis un petit peu à court de questions très intéressantes. Bah, je vais te poser la question que j'ai posée à Schleyer et que je poserai à tous mes prochains invités. Si tu te mettais dans la peau d'un viewer de la MTV2, quel serait pour toi l'invité du prochain focus qui serait très intéressant pour toi? Avec quel perso et quel monsieur? Pour moi, je dirais Soaz. Soaz avec le Kha'Zix. D'accord. Qui joue énormément, surtout durant les grosses compétitions. Donc il a des petits tips vraiment sympas à nous donner. Donc ouais, j'aimerais bien voir Soaz en tout cas. Je sais pas avec quel héros, mais Soaz ouais, le Kha'Zix me paraîtrait pas mal. Il a une vision de jeu qui est très très intéressante. Donc ouais, moi je dirais Soaz. Ok. Bon, je peux pas vous promettre Soaz parce que voilà. C'est Soaz, j'ai pas beaucoup de contact avec lui, donc je peux pas vous promettre Soaz. Par contre, s'il y a quelqu'un que je peux vous promettre, c'est Yellowstar, qui a accepté de faire partie de l'émission bientôt. Je ne sais pas encore, je pense qu'on va peut-être faire la hache de Yellowstar, même si en ce moment il la joue plus trop, puisqu'il joue autre chose, mais
Et voilà, l'âge de Yellow Star, ça pourrait être sympa. Il reste toujours dans la besace le Lee Sin d'I'm So Fresh. Donc ça, je pense que ça vous plaira aussi. Et puis, une fois que l'émission sera bien rodée, qu'on aura bien désigné toutes les parties et qu'on saura, comment se déroule l'émission, on partira sur de l'anglophone, notamment le fils de Tabs et ce genre de choses. Donc je pense que ça, ça va vous plaire. Ça va vous plaire, ça va vous plaire. Donc voilà. Du coup, le Twix est en train de ranger son bureau. Il arrive, il est ready. Donc bah, il me reste plus qu'à te remercier, Dogby. Peut-être donner ton Facebook quand même sur l'IRC, même si tu pourrais en donner un petit peu aux pauvres, hein, des likes. Parce que voilà. Donc ton Facebook, c'est Dogby. Dogby, tout court. Dogby tout court, tout Dogby, tout court. simplement. Donc voilà, le Facebook de Dogby. Mon En tout Facebook, cas, est-ce que tu as j'espère. un Twitter, un truc? Vas-y, on fait mousser quand même. Il y a juste la chaîne YouTube en ce moment à suivre. Hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Le fameux top 5 par semaine qui est en préparation. Et une nouvelle rubrique avec les grosses, grosses games à ne pas rater que je suis en train de préparer aussi. Donc là, je suis en train vraiment de bosser sur le YouTube. Ça devrait arriver d'ici peu. D'accord. Le YouTube, donne-moi juste l'adresse, comme ça je la marque sur Dogby, c'est l'IRC. tout. Dogby. C'est Et toi, pareil. tu fais dans le Moi, il n'y a simple, pas de toute plus. façon. Comme ça, on retrouve, au moins. C'est C'est pas ça, con. c'est tellement C'est ça. pas con. Donc, bah écoute, Dogby, est-ce que tu avais un dernier mot à dire à nos J'espère que chers j'ai été viewers? à la hauteur, en tout cas, Mais tout à tes fait. attentes. Tout à fait, Et tout à fait. je remercie tout le monde de m'avoir écouté et de prendre mes conseils en considération. J'espère que vous saurez les utiliser. Et en tout cas, bah, ça m'a fait super plaisir de partager, encore une fois, avec les viewers et avec toi, mon expérience. Eh ben, ça m'a fait plaisir aussi, c'était vraiment une émission agréable, tu m'as beaucoup aidé, t'as vraiment bien fait tout ce qu'il fallait. Mais maintenant, on va laisser la place au Twixila, qui est chaud patate, le Twixila qui est prêt, il est ready, donc vous êtes parti pour, du coup, 2 heures de ladder. Et puis, s'en suivra si je retrouve le jour du samedi, s'en suivra VLAN, voilà, pour terminer la soirée. Donc merci Dwagby, merci à tous. Et puis pour ma part, bon, on se retrouve lundi matin. Pour ta part, on se retrouve quand, Dwagby, sur la TV2? Alors pour ma part, ça va être normalement dimanche 18h-20h ou lundi 18h-20h. Ah, si je peux annoncer quelque chose, la Vas-y. semaine prochaine, on va mettre en place avec Squeeze de la duo D'accord. sur des comptes tout neufs pour les monter le plus rapidement à 2K. Donc je pense que la semaine prochaine, ça va être plutôt intéressant de regarder nos streams. On n'a pas encore les horaires exacts, on vous les fournira sur les Facebook. Mais en tout cas, je suis sûr que ça va vous plaire. Bye bye à tous et merci. Eh ben merci à toi et puis voilà, de très bonnes choses à venir. Allez, on laisse place à Twix, amusez-vous bien sur la TV2 et à lundi.